Et coucou! Hello! Bonjour à toutes et à toutes. Et pourquoi je perds ma voix? Ça, bon, c'est bizarre. Je vais te laisser parler parce que ma voix elle veut pas. Ça commence bien. J'ai rien à dire moi. Ah, bah, je suis un guest. Oui, non, t'es un guest. C'est bon. T'es plus un guest maintenant. T'es dans le cadre d'ailleurs. Oh là là. Du coup, je disais, maintenant que j'ai retrouvé. J'ai pas ma voix. Bon. Que nous allons nous retrouver sur ce petit live. Du dimanche matin pour comme toutes les semaines faire un petit jeu sur Game Park, parler des sorties de la semaine, et en plus cette semaine nous allons commencer notre top 50. Du coup pas des chansons non, bah non, on est sur une chaîne où c'est marqué board game quand tu cliques, donc du coup ouais, le top 50 de nos jeux de société favoris. Nous avons toutes deux fait notre liste sans se concerter. Et on va essayer de faire 5 jeux par semaine pour arriver du coup d'ici 10 semaines au grand final, au top 1. Qui aura peut-être changé d'ici là, parce que c'est pas ce qui peut se passer en 10 semaines. Hein, mais... Après, ceux qu'on a révélés, ils changeront pas, mais... Oui, ça. Non, moi, a priori, ça changera pas. Il y aura pas de nouveautés du coup dans les 10 semaines, parce que bah, on a fait avec nos jeux qu'on a joué actuellement, quoi. Ça paraît logique. On en parlera après, mais tu veux faire quoi? Tu veux de suite faire les sorties ou tu veux jouer d'abord? On va commencer à faire un petit jeu à pépère. Alors, pourquoi est-ce que tu as envie de jouer comme ça? À part Return of the World, malheureusement. Faut que je regarde les règles d'Arcane Wars qui vient de sortir. J'ai pas regardé encore. On pourra faire une partie. Bon, le problème c'est qu'on va être sur nos PC simultanés, mais on pourra essayer de faire une partie pour faire découvrir le jeu aux gens. Le jeu est vraiment bon, j'ai fait le tutoriel. J'ai joué contre un joueur en mode compétitif et il y a vraiment une grosse rejouabilité. Rack'n'Wars, c'est quoi? C'est du JCE, du jeu de cartes évolutif, où en fait bah, vous achetez le jeu et vous avez le jeu en fait entièrement. Donc ça va être un peu du deck building. Ou du préconstruit comme on l'appelle à certains endroits. Oh, c'est moi. Bah t'as gagné. J'ai gagné contre Bob. j'ai gagné mon tutoriel. En même temps, c'était pas trop dur. Mais ouais, c'est un très bon jeu de deck building. Alors, il n'y a pas du tout sur Game Pass forcément la notion de construire ton deck. Pas parce que c'est... Voilà quoi. Mais déjà avec les 4 decks de départ, il y a vraiment moyen de bien se casser la tête. Et le jeu est joli. Enfin, moi, je trouve que les couleurs sur la boîte sont juste. Du coup, en fait, c'est du deck building et tu pars. En fait, alors du coup, bah, t'as un deck préconstruit, donc du coup, c'est la partie deck building, okay. C'est. Tu fais avec les cartes dans la boîte, mais elle n'existe pas dans le jeu, bah, sur Game Park. Et le but, ça va être de placer ces créatures sur le plateau. Pour essayer de se taper dessus, mais tu ne peux taper que les créatures qui sont adjacentes à toi. Adjacentes, orthogonalement. Dans l'espèce de grille là. Ouais. Et quand tu places une créature, tu es aussi obligé de la placer orthogonalement à quelque chose qui existe déjà. Tu peux pas la placer. Tu peux répéter ce mot là. Orthogonalement. Encore. Orthogonalement. Eh, j'arrive bien à le dire quand même. Hein. Et voilà, du coup, bah, on va jouer avec ça en Battle World. Mais j'aime vraiment beaucoup Arcane. Ouais, il faudrait que j'y joue, finalement. On pourra l'essayer en live pour faire découvrir aux gens. Parce que, bon, j'ai fait 2 parties, mais... Oh, je connais cette joueuse. Toi, numéro 2 au classement. Oh, et je suis 200ème, donc... et je joue très souvent contre elle. À chaque fois, je suis en mode, bah oui, mais... Mais voilà. Petit porte-avions, petit noir, bleu, boum... Dès le début, porte-avions. Ouais, là, je suis chaud. Non, mais... on trouvera dans le paquet. C'est sûr. Ouais, porte-avions. Non, je suis vraiment d'accord. Non, mais c'est bon. Là, s'il n'y a pas de centrale... Il y aura un barrage géant, non. On est quand même plus à l'aise. Ouais, il y a des éoliennes. Bon, d'accord. Non, mais on y va. Allons-y à fond, du coup. Allons-y, gamin. Il n'y a même pas de recyclage noir autre. Hein. Ah non, c'est... Je regrette déjà les choses. C'est pas grave. Ouais. Allez, forcément. Oh,
la prod de Weibo. Oh, celle qui faisait les deux qui nous intéressaient. Bon, il y a ça à la limite. Mais ouais, mais il n'y a plus du tout de recyclage noir, c'est fini, donc c'était rapide. Surtout que le noir, normalement il y en a beaucoup. On avait fait les stats. Non, c'est vrai, on va faire éolienne, une tout. Méga foreuse. Méga foreuse, une tout pour autre chose. Ouais. Ça là ouais, quand tu es dans le mu, c'est bien, c'est toujours bien. Du sang. Non, mais. Après, peut-être, je sais pas, ouais, si. Laboratoire est porté, ils sont mystérieux. Oui, j'ai des projets moi quand je. Ah, oui, aussi. Il y en a qu'un. Oui. Je propose de prendre maintenant. D'accord. Pour un truc dans ce paquet. Il y a Tombeau. Gris noir, gris blanc. Après, il y a le vaisseau mystérieux, il y a le tombeau, il y a quand même des trucs, tu vois. Genre. Mais effectivement. Bah. Merde maintenant. Bah ouais, parce qu'il y a plein de gris en fait, donc. Non, mais les gris, c'est bon. Oui, il y en avait plein là. Laboratoire pour faire des verres. On aurait mis ça. Ouais. On va avoir des conditions ici, on va en avoir là, donc en vrai, on sent qu'il faut être sur les utilisateurs et avoir une chance de gagner. Très bien. Parce que pour l'instant, pas trop. Oh là là. Tu me diras, lui, je sais pas où il va, mais. Il a l'air d'être plus confiant. Tu me dis qu'elle est deuxième au classement. Ouais. Je me sens moyen à l'aise. Bah, c'est à dire que quand j'ai vu ça, je suis en mode bah oui, mais pourquoi je joue toujours alors que moi je suis. Genre là, pareil, j'aimerais bien prendre ça. Ouais, tombeau, je suis d'accord. Comme ça, on part vraiment que noir. Ou alors on fait ça non. Et on prend ça pour plus tard. Mais on va. Les bleus, on va les avoir. On a porte-avions. Oula. Oui. La porte-avions. Apparemment, ça suffit. Bah, en termes de production, mine de rien, on est bien, tu vois. Sauf en noir, d'accord, mais. Je sais pas, en pilote de barrage géant, on en a pas vu, tu vois. Ça. Éolienne méga foreuse. Ouais. Ouais. Ça paraît pas mal. Pas mal, je sais pas. Mais... Tu. Ouais, ce qu'on va faire. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Le problème, c'est qu'il avait déjà fait ça, quoi. Mais c'est bien, ça nous donne un général. Sur les verts, wow. Mais oui, bah c'est bien. Si, moi je trouve ça bien. Le vert, on en fait rien. Il a pris une vache quand même. Non, mais on a un général. Et ça, en vrai, à deux joueurs, je trouve qu'en lieu de soulever un vert, c'est un cadeau. Parce que mine de rien. Ah, mais il fait plus de bleu que nous. Hein. En fait, il fait tout le mieux que nous. Non. Quelques cartes. Non, mais. Genre, il a supprimé tout ce qui ne l'intéressait pas. Oui, mais il nous a laissé quand même un point qui va peut-être se transformer en 10 points. Si on... Bon, pour ça. Ouais, bah le jaune, le cristallium, c'est plus intéressant. Du coeur. Ouais. Non, pas du tout. Bah, non, pas du tout, pas du tout. Bah, moi j'aurais pas du tout. Bah, en vrai. En vrai, pas du tout, absolument pas. Bah, contrôle du climat. Donc, oui, si, oui, mais je sais, ça va être compliqué. Je sais pas. Il manque un nom. Oui, mais c'est parce qu'on a. Ouais, bon, allez, va pour le B. Ah, bah. Alors, il y a ça. Est-ce qu'on va faire vraiment des verts, tu vois? Enfin, oui. Il prend ça parce que ça, il. Ouais, le recyclage. Bon, base mobile. Tu ne deviens pas deuxième au classement. Je me déroge juste. Il n'y a pas de recyclage noir dans ce paquet. Production noire. Ouais. Oh. C'est une division de char et c'est tout. Recyclage vert pour mettre sur la base mobile. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une montée qu'un noir. Oui, non, mais on va peut-être trouver un noir dans l'autre paquet. On va peut-être le trouver dans l'autre paquet. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Je crois pas. Ah. Bah, recyclage vert pour contrôle du climat. Donc, on prend le truc des Bermudes toujours. Pour faire quoi? Pour le faire. Ah,
Oui, il y a d'autres paquets, mais on prend du recyclage vert pour faire contrôle du climat et avoir du noir. Enfin, moi, je suis pas confiant, on va faire du gris. Hein. Bah, ouais. Du recyclage vert, forcément. Nous ne sommes pas d'accord sur la stratégie. Il n'y a que lui, hein, du coup. Donc ça, à la limite, je suis d'accord qu'on le prend, mais je ne suis pas d'accord pour le faire. Hein. Oui, on peut recycler pour faire la base mobile, et du coup, le recyclage vert sur la base mobile. Là, on est d'accord. Là, oui. Là, ça va. Là, je suis d'accord. Et du coup, on pourrait prendre carte verte, peut-être ça. Parce que le vert, il est vraiment très fort. Ouais. Ouais, ou automate dans l'autre paquet, mais les deux sont bien. Ah, il y a automate ? Oui, mais peut-être qu'il va le prendre, mais je pense pas. On peut rien à le prendre, à le recycler en bleu, parce qu'on va avoir besoin de... Ouais. Ouais. Automate de contrôle. Ouais. On s'arrangera, on trouvera les... Plus qu'un autre. En vrai, si, mais c'est dur, ça va être compliqué parce qu'on a toujours pas la preuve de noir, on l'aura pas. Lui, il va prendre quoi là? Lui, il va prendre un mur, on est d'accord, il va prendre ça. Ouais. Je sais pas, vraiment là, je ne suis pas convaincu, je sais pas, mais. Bon, je prends ça et puis on verra ce qu'il fait. Là, je pense qu'on prend une carte bleue pour finir. Genre ça. Ouais, bon, petit triangle, c'est sympa. Vraiment, ça va bien. Je trouve qu'on ne nous entend pas depuis le début et personne ne le dit. Quand même, t'as vu que maintenant. Je vais vérifier. Non, faut. Bah, voir la piste verte. Oui, c'est bon. De toute façon, c'est toujours une bonne étape. Oui. On prend ça ? Ouais, allez. Du coup, on fait la base mobile. Est-ce qu'on jette le contrôle du climat ? Pour moi, oui, c'est mieux. C'est sûr. Genre, ça, c'est poubelle. Minimum ça. Ça, on voit si on jette. Bah, l'inquisiteur, c'est poubelle. L'inquisiteur, c'est poubelle. Et comme ça, on fait la base mobile. Ça, on fait. Ça, on fait, c'est sûr. Ça, on fait, c'est sûr. Et après, ça, je vois si on fait, c'est sûr. Si on pioche l'IA, on peut le faire. Oui. Ah mais regarde, on peut le jeter comme ça, on est sûr de faire triangle des barbules à ce tour. Ouais, ça j'aime bien l'idée, moi. Ça me va. De toute façon, super soldat, personne ne le fait jamais. Non, c'est pour ça, c'est plus cher, non. On va faire préparer le porte-avions. Ouais. Par contre, il faut vraiment centrale au plus concours. Vraiment compliqué s'il n'y a pas de sens. Moi, ça, je recycle beaucoup pour le coup. Je sais que j'ai cette tendance à bien recycler. Je fais une centrale, ça me. Ça me gonfle. Non, je pensais qu'on avait. Il faut le mettre. Bah, je suis super soldat qu'on a fait. D'accord. Bon, au moins, on est gagné en bleu. Pas plus mal. Il l'a pris le mur au final? Non, il l'a pas fait. Il l'a pas pris. Non, il va nous le pousser ailleurs. Oh, par géant! Là, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment. Il va faire pas mal de zones. Barrage géant. S'il y a une. Barrage géant. Deux secondes. Analyse la situation de l'adversaire pour pouvoir quoi lui. Oui, non, mais la situation, c'est il fait du bon, gris, bleus, du bleu, du financier. Les gris, c'est un peu foutu, il y en a déjà trop. Non, mais. Les communistes, on se bat contre lui et les financiers, c'est foutu. Y a rien à analyser, il fait tout. Et on prend le barrage géant. Vu que ça pour lui, c'est pas intéressant. Il y a une qui a ça, mais je pense que c'est. Comme ça, on en a noir. Moi je préfère un barrage géant qu'une centrale, tu vois. Trois recyclages jaunes, là. Si du coup il faut recycler des jaunes. Quel IA. Il y a deux recyclages jaunes. Il faut prendre l'IA. Il faut prendre l'IA. Il a pris quoi pour nous laisser l'IA? Ok. Bon. Bah, IA du coup. Bon, maintenant il faut le recyclage jaune parce qu'il y en a déjà plus que deux et deux.
Ouais, 2 et 2, donc... Oui, mais c'est bon, il y en a assez, du coup. Oui, mais prends la mine d'or et... Et il nous faut un recyclage gris. Il a pris une éolienne. Il nous faudrait... Il va en prendre une deuxième. En vrai, ça va se tenir. On est en train de faire, ça va arriver. Bon, ça... Il nous faudrait, idéalement, 3 recyclages gris pour pouvoir faire le porte-avions. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les gris, hein. Il y en a deux là, c'est bon. Mais ouais, c'est... Oui, parce que c'est... là, c'est bien beau de chercher à faire des noirs, mais les gris, on n'en fait pas. Donc... Après, on a un cristal et... On n'a pas bien intérêt, hein. Alors, on a ça, on peut le faire vite, avec le cristal gris, avec le... On sent un peu des bleus et tout. Ouais. Toi, t'es pas mal, c'est sympa aussi, mais... Donc, je pense que ça, c'est bien sympa. En fait, ça sert à rien d'avoir des noirs. Oui, si on n'a pas le gris. Ça, je suis d'accord. Donc là, comme ça, à la liste, on est sûr de faire un barrage géant, mais et on sait pas si on a pas autre chose. Là, on prend un cristal gris. Et après, on doit prendre un... Soit on prend un cristal gris, soit on claque le cristallium et on prend un autre truc. On prend la boîte de Pandore. Il y a un truc. Il a pris trop de l'air, un en deux. Mais en vrai, tu vois, c'est pas stupide de claquer le cristallium pour faire l'usine. Et moi j'aime bien boîte de Pandore. Et ici, boîte de Pandore, elle est vraiment cool. J'aime bien boîte de Pandore. Même si on était trois, elle est un peu tard, mais en fait. Mais on l'a fait à ce tour-là. Okay, on regagne le cristallium. Ouais, ouais. Non, c'est bon. Oh, et puis on. L'autre. Ah, la tête. Incroyable. Tu fais ça pour que les gens fassent des clips, c'est ça? J'avoue. Un peu fort. Donc, on fait l'usine avec le cristallium. Et là, on fait. Mais bon, on va pas faire grand chose. 1, 2, 3. On va faire ça. Hein. Non, c'est pas ça, on sait pas compter, ça fait 4. On ne fait pas le porte-avion. On va faire ça, hein. Ah, c'est bien et si on jette l'usine et qu'on la fait pas, est-ce qu'on peut pas voir faire et le barrage et le porte-avion? C'est chier. Bah. Parce que. Non, je veux bien. On jette. Je veux dire, on est à 4, non, on ne devrait pas le même, hein. Ils ont mis l'affaire. Ok. Bah, ouais. Mais c'est ça qui était risqué, c'est qu'on n'avait pas fait beaucoup de bruit. Ouais, on est au bon endroit. On n'avait pas fait beaucoup de bruit. Ouais. Mais après, c'est pas grave, parce qu'on fait au moins ça, c'est pas perdu. Ouais, ok. Et on prépare quand même un peu le reste. Ok. Je pense que c'est bien quand même. Toi t'as pris cette première carte et tu veux la faire, mais pour moi c'est pas une bonne première carte, hein. Si. Non. Si. C'est non. Si. C'est non. Si oui. Il a pris là déjà. Bah voilà là. Pardon. Le Valhalla? Oui. D'accord. Il est là. Oui, non, je sais, mais mon cerveau, il faut qu'il encaisse la nouvelle. On va faire Lila. Je pense qu'il est si bien que ça pour l'instant. Hein. Ça va scorer quand même. Hein. Il est en train de scorer quand même. Tu veux que je le quitte? Bah. Il y a deux cartes bleues, allez, ça va pas faire énormément de points non plus. Ça peut en faire quelques-uns, faut se méfier, mais c'est difficilement arrêtable. Et ça, c'est peut-être le vrai problème, mais. Alors. Il le fera jamais. Non. Attends, il faut un jaune minimum. C'est bon, on l'a. Et en termes de gris, on a ce qu'il faut là. On l'a le jaune, hein. Avec la boîte de Pandore. Ah oui, pardon. Je ne prends pas les flottants. Mais ça va être compliqué.
ton explicateur. Hein. Ouais. Oui, en vrai, non, en vrai, je suis d'accord qu'elle est pas mal. Hein. Ouais, moi j'aime bien. C'est une carte noire. Ouais, bon, ça c'est plus c'était quand même. Sûr. Oula. Oui, pourquoi il l'a pas pris? Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il a pris? Bah, il a pris oui. Ça. Ok. Oui, non, bah ça, oui, ça, non. Enfin, oui. Je sais pas ce qu'on, je sais pas ce qu'on va en faire, mais... Rien. Probablement rien. Ou alors ça. Parce que ça, attends, ça pour le faire, oui, il a pas les verts. Il a pas les verts, mais bah, c'est trop vert. Il va vraiment galérer. En une côté, il le fait tranquille. Mais ça, c'est juste qu'il le fait vraiment trop prendre. Pour 3 verts, enfin, c'est pas... Je sais vraiment pas ce qu'on fait des verts. Mmh. Il y a ça, là. On n'a pas les financiers donc ça sert à rien. Ouais, mais on va en faire, mais c'est pas grave, on a besoin déjà de nos bleus donc. Bah pour moi, pour prendre des cartes noires, je vais charger comme ça et ouais. Ouais, ça, ouais. On va pas faire autre chose. Ça, on peut quand même prendre pour une live. Ouais, oui. Ça. Oui. Alors ça, mais... Télékinésie, genre, je pense qu'il s'en fiche. Ouais, non. Ouais, je prends télékinésie et puis... Parce que ça, ça va être télékinésie. Ouais, allez. Si jamais il veut essayer de le faire. Bon, le problème, c'est que c'est vert, il part à la poubelle, mais... Ouais, c'est pas... Paquet n'est pas... Là, techniquement, pour voter, ça, quoi. Oui, je suis d'accord. Pareil, ouais, je sais pas comment faire, mais... On peut essayer de faire taler. On va passer notre quatrième tour à ne rien faire. Mais en même temps, il n'y a rien. Ouais, c'est plein méga foureuse. Il va manquer noir, mais on va avoir des courses à gamme aussi. Donc, il y a ça aussi à faire. Ouais, mais ça, on peut essayer de le faire. Là, on est en train de se dire, on fait des jaunes, pas tellement. Bon, hein. Non, attention. Il n'y a pas de jaune dans celui-là. Ouais. Mais il y a un couvre-voix dans l'autre. Ouais, ça me va comme, comme stratégie. Si on prend un cyclage noir, on peut faire palais flottant directement. Mais ça servira à rien. Non, on peut prendre la méga fourreuse pour la faire. On aura... Non, on n'aura pas le gris. On n'aura pas le gris ni le noir. Comme ça... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, on a ni le gris ni le noir si on le fait, donc bah, un jeu de sécurité et on le fait. Ça, ça fait toujours 3 points. Bah. Eh oui. Cram, le financement. On a besoin de. On a besoin d'un gris. Ah, tu veux le faire? Ah, non, on va pas le faire. Ok. Je pense que oui, le jeter, mais. Parce qu'on n'a pas les noirs donc. Genre, on fait un truc genre ça, ça, ça. Sur un malentendu, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas. Un truc genre ça. Je rien, j'aime pas. J'aime pas. Et là, du coup, c'est bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Tu peux même mettre le plus salium ici du coup. Donc. Et j'ai un verre excédentaire qui va là. Je pense que ça suffira pas, mais vas-y, de toute façon, on a plus que ça à faire. Hein. Sur un malentendu. Les paquets, ils étaient pas fous. Non, il y avait Lia. Elle a vraiment tout pris. Hein. Je sais pas s'il va arriver à bien comboter un peu toutes ses cartes, mais s'il arrive, j'ai vu. Oh, en plus, on a deux cristallium de mu, donc en vrai, non, je pense. Oh oui, non, mais nous, on fait nos cartes, c'est pas un problème. Même ça, à mon avis, on va le faire. Hein, on a trop et... C'est-à-dire que bon, 12 verts, quoi. On est monté à 14 bleus, pour info, on était à 4. Oui. Et on n'a pas tant de noirs que ça, c'est vraiment dommage, hein. On en a que 6. On aurait pu vraiment en avoir beaucoup plus.
Ouais. On les prend dans la maison de chat. Bon, après, on a on lui a bloqué des trucs comme ça. Mais c'était compliqué de les faire, hein, les noirs. Oh là là, il faut deux cristallions. Ah oui, d'accord. Ah bon, du coup, la large. Ah oui, mais oui. Ah, mais large, genre vraiment on très large. Là, vraiment... Et pas de carte bleue à ce moment-là en même temps. Ouais, si, il y a eu la fontaine qui l'a pris tout de suite, forcément, logique. Ouais, mais ça, s'il la prenait pas, il l'avait perdu. Oui, oui, oui. On a bien fait les prospections. Il a réussi à faire avec les communistes à la fin, je pense qu'on lui a laissé, c'est qu'il a une carte large. Large. Comme la défaite qu'on va se prendre plus large. Non, je pense pas qu'on se fasse une grosse défaite quand même. J'ai changé d'avis. Ah, quand même, hein. Ouais, quand même. Quand même, hein. Quand même, quand même. Ah, c'est, y a, ça pique. Tant pis. Ouais, non, il a fait trop. Il a fait vraiment trop de points avec ça. Il a vraiment fait trop de points avec. Genre, ça, c'est ignoble, ça. Ouais, franchement, mais c'est fort, hein. La prison de haute sécurité. Elle non, mais est... ça, on savait que. Ouais, moi, je savais que c'était on, fort. On mais... le sait, mais on. Enfin, contre ouais. Les cartes grises, c'est compliqué. Du coup, bah, du coup, on se fait casser la vie. On se fait laver. Ouais. On va aller pleurer et passer à notre deuxième partie, du coup. Qui n'est pas une partie du jeu. On va parler des sorties de la semaine. Et il y a du boulot. Et là... Mais on va pas faire celle qu'on a ratée la semaine dernière. Non, 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 non. Du coup, on va pas faire celle qu'on a ratée parce que quand même, il y a déjà bien assez avec cette semaine. Donc on va partir du 2 au 8, du 2 au 8 octobre, pour... oui il faut que je fasse toutes les sorties, 2 secondes, tu peux faire plus du coup, tu vas faire beaucoup plus je pense, ah non, non oh pas tant que ça, oh ça va, on va s'arrêter là, bon on a quand même le clignot, c'est vrai, c'est... mais franchement je m'attendais ouais, à, parce que... je m'attendais à pire. donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on discute des sorties de la semaine prochaine pour essayer de essayer, je dis bien, de ne passer à côté de rien. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent et bah, c'est toujours dommage de voir que certains sont énormément mis en avant, qu'il y a une grosse communication et que d'autres passent un peu sous les radars. Évidemment, c'est possible bah, qu'il n'y ait pas tout parce que bah, ceux qui passent vraiment sous les radars, ils sont sous le tapis même. Bah, même sur Magudo, ils ne vont pas y être. De toute façon, s'ils sont pas là, on les verra pas. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée d'essayer du coup de regarder tout ce qu'on sait, toutes les données qu'on a avec Magudo. Et on va commencer tout de suite avec un jeu qui sort demain, hein, Print and Play en anglais. Alors pour le coup, je ne sais pas du coup à quel point ça va nous concerner ou pas, puisque du coup c'est un jeu en anglais, c'est un jeu imprimé soi-même. Et du coup, ça s'appelle Battle Card. C'est un jeu en solo. Solitaire Wargame. Alors, un Wargame en solo, c'est assez particulier. Du coup, bah, le Wargame, c'est du jeu de combat de figurines. Alors, figurines en jeu imprimé, bah, c'est tout ce qu'il y a dedans. C'est un Kickstarter qui a eu lieu. En fait, le Kickstarter a fini aujourd'hui, de ce que je vois. Et du coup c'est pour ça que la sortie est annoncée demain, même si en bah oui vu que c'est un jeu à imprimer, bah les gens ils, ça a fini. Il est sorti là, c'est bon, mais ça sort hein. C'est logique en fait. Et du coup ça coûtait 5€ pour faire la campagne, visiblement. Bon, on peut aller voir sur la page de Kickstarter, même si du coup c'est fini, donc ouais, c'est un bah, peu tard. Après du coup ça a l'air d'être assez ça a l'air assez classique, on dirait presque du risque de jouer à des mais c'est du solo. Ouais, c'est du solo, c'est... De toute façon la campagne est déjà finie, donc c'est trop tard. Ça a l'air vraiment. Il y a une... Tu peux jouer sur... Ah, il y a une application pour pouvoir faire le placement des dés, ok. Et l'application c'est... une image. Oui, écoute, bah, peut-être pas, après nous on voit là, mais ça se trouve, tu peux cliquer, regarde des boutons. Donc, peut-être, hein. Pour jouer du coup depuis... Ça a l'air d'être vraiment axé très historique. De ce que j'ai vu, c'est Seconde Guerre mondiale. Comment jouer historique. Ouais, tu as vraiment les attaques... Contre-attaque allemande.
tu setup tes unités, tu fais la séquence et la partie prend fin à un petit tour. Bon, c'est un peu particulier, je pense que c'est pas ma cam, surtout en solo quand même, mais. Voilà. Du coup, c'était Battle Card qui, bah, c'est trop tard du coup pour l'acheter donc. Oui, parce que du coup, là, il sort en faire et après c'est fini, du coup, vu que c'est un truc, il y aurait vraiment pas ouais, moyen de l'acheter sur un site et tout. Donc... Alors là, bah, le site. Là, du coup, on présente un jeu qui ne. L'éditeur, c'est Post. Comme pas. C'est Post Mark Games, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est trouvable sur leur site. On a un site web. Ah, et c'est bien fait là, quand même. Sinon, je ne peux pas la pub en fait. Et du coup, ici, il y a tout leur game, donc Battle Card, qui est simplement ici. Peut-être que tu as moins de choses. Ouais, non, ils disent le back now on Kickstarter. Bon, pour l'instant, je pense. Il y a peut-être une exclu, mais ça reviendra plus tard. C'est... Du oui. coup, c'est dommage parce que bah, du coup, il sort demain, mais personne ne peut l'acheter. Quoi. Mais après, si leur jeu. Enfin, s'il y a un onglet jeu, à mon avis, c'est que ce sera possible de l'acheter par la suite quand même. Mm. Probablement. Sinon, on ne les mettrait pas sur. Voilà. Oui, j'espère. Ensuite, nous avons Edge of Innovation. Wow. Comment je parle trop bien. Pas du tout anglais. Donc tout ça, tout ce qui va être, qui va suivre, c'est les sorties de grosso modo jeudi, vendredi, samedi. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a une grosse fourchette. En même temps, c'est un jeu Super Meeple déjà. Donc, les Super Meeple, ils aiment bien les jeux longs, mais en même temps les jeux courts. Donc je pense que tous les jeux Super Meeple, c'est la même chose. Hein. C'est des fourchettes. Je fais enfin, les jeux experts Super Meeple, pardon. Du coup, c'est sur l'univers de. Quoi, c'est même pas le temps de finir. Après. Oui, en même temps, c'est écrit sur le bâtiment. J'avais pas vu que c'était. Waouh, c'est lire. Mais moi, j'avais pas vu que c'était écrit. Moi, je faisais ça parce que je connais un peu Terra Mystica. Mais du coup, bah. Je fais la règle. Voilà. Pas trop, mais après, c'est l'air. Eh oui, ça a évolué. Waouh, il y a beaucoup de choses. Donc. En fait, je pense que la fourchette 40 à 200 minutes, c'est parce que ça va être 40 minutes par joueur. Ouais, il y a bien et, moyen, ouais. Et 40 fois 5, oh, ça fait 200. C'est exactement ça. Ce serait pas la première fois. Non, on se croirait dans le cible avec tous ces hexagones, là. Du coup, je sais pas à quel point c'est une adaptation plus légère que son grand frère ou plus énervé. Ils disent le prédécesseur de ce jeu Terra Mystica. Qu'est-ce que ça veut dire prédécesseur? Probablement quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est bien 40 par joueur, c'est écrit. Pour le territoire, de ressources, de nourrir, enfin un peu toutes les mécaniques. Ouais, c'est ça. Très, un peu toutes les mécaniques vraiment très lourdes, entre guillemets. En contrôlant une des factions, il faut transformer les bâtiments, créer des nouvelles combinaisons. Donc voilà, ça sort ce week-end avec El Famoso Festival Essen. Je ne sais pas quoi, il n'y a pas encore de vidéo. Non, vous allez voir le retour de c'est pas nécessaire d'aller regarder comment ça se joue parce que je pense que c'est vraiment pas plus avec une vidéo. Non, effectivement, mais. Et il y a du matos. Et il va coûter combien? On n'a pas encore le. Tu m'as dit encore. Si, je pense que, à mon avis, on n'a juste pas eu l'info encore parce que ben, on n'a pas toutes les infos, mais on va aller voir vite fait. Hop. Ça doit l'avoir eu, on s'en bat le coup. Charge. Il n'y a pas un truc genre, faut chercher. À mon avis, la boîte est tellement lourde que même le PNG ne charge pas. Avec le live, à mon avis, ça. Le ouais, je pense. Je ne bug pas du tout, mais j'ai pas d'informations de Twitch que je bug. Je veux pas un. Oula. Ça se téléporte un petit peu partout. Ah, voir le calendrier. Oh, oh. Merci Super Meeple. Ils n'ont pas mis le prix quand même dans leur tableau. Non. Oh, ils partagent leur Google Sheet comme ça. C'est quoi qu'on cherche, nous? septembre. Septembre, pas disponible encore. Septembre, il faudrait s'inquiéter par contre. Non. Pardon, c'est pas bien ce que je fais. Non. On n'aura pas le prix, je pense. De toute façon, on le trouve même. Il est même pas écrit. Non, il est pas sur. Ça sert ah, rien, si, il est pas sur là. Oui, mais il n'y a
pas le prix. Oui, il n'y a pas le prix. Bon, d'accord. Et il lui offre une nouvelle. Il n'y a pas un truc recherché, genre. Bon, tant pis, je vais laisser tomber, je pense. Bon, en tout cas, pour moi, c'est 100 balles. C'est quoi déjà le jeu? J'ai déjà oublié. Age of Innovation. On t'entend pas bien, on me dit coucou. Ah bah tiens, c'est bien le moment. Je raccroche le micro peut-être. Oui, parce que oui, t'es au fond du... Oui, non, moi, c'est plus ou moins normal, on va dire. Coucou Kenob, coucou Zendanon. Je peux parler par contre. Si je m'attraque vos pseudos, tapez-moi. Enfin, non. Non. Par contre, moi, je peux. Non. Mais c'est pas très gentil. Est-ce que c'est mieux du coup maintenant que j'essaie de rapprocher le micro de lui ou pas? C'est mieux vu que je parle pas. Non mais pour moi du coup c'est au moins 100 balles. J'ai oublié, c'était à peu près. Age of Innovation. Tu sembles intéressé pour ce que tu fais. C'était parce que je vois des gens dans le chat et que ça fait un moment déjà. Donc. Ah bah tu vois, c'est 76. Je m'attendais vraiment à pire. Et 68,80 si tu le passes plus de voir. Eh, abonnez-vous. Pardon. Et tu ne travailles pas pour eux. Non. Mais j'aime bien le game quand même. Mais non, mais ok, ouais. Du coup, voilà. 80 balles, quoi. Du coup, bah, donc, du coup, moins cher que ce que tu penses. Hein. Ouais, ça reste quand même une somme. Tiens, en plus, c'est du bon matos, hein. Enfin, ça a l'air. Je crois. Je crois. On l'a vu. Oh, une belle carte. Les flétries. Wow. Ah bah, ça donne envie. Super. Du coup, tu fais les couteaux flétries. Bah, merci. Non, pardon, le jeu. Non, faut voir, c'est vrai que sur les designs, on voit pas spécialement. Ça a l'air assez. Ça a l'air assez brut de décoffrage quand même. Mm. Un jeu expert Super Meeple, probablement. On va passer rapidement sur Similo Special. Un petit jeu expert. Donc du coup, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Similo, c'est un petit jeu où vous allez avoir des cartes et il faudra essayer de trouver la bonne carte que votre coéquipier a pensé. C'est comme Wanky, mais en moins bien. Faut pas dire ça comme ça, même si bon, d'accord. et du coup, pour le Spiel, ils ont décidé de faire un Similo. Ça, c'est vraiment le... Sur... ça, c'est vraiment la buse. Sur les jeux de société, du coup. Donc voilà, un Similo avec plein de références. Broad Game. Ça, c'est vraiment la buse. Ça, c'est une carte bleue, par contre. Hein. De loin, ça fait penser à une carte bleue, quand même. Hein. Pourquoi c'est la buse? Ben, c'est le principe du genre, on a un jeu parfaitement extensible à l'infini, donc on va faire des jeux et ensuite on va faire un jeu qui parle des jeux. Oui, en plus, ça parle de leur jeu ou ça parle de tous les jeux? Ça parle de tous les jeux, ça je parle pense de quand tout même. Jeu, mais parce que c'est un. Comment dire, c'est pas. En fait, c'est pas oui, l'éditeur qui le sort pour essayer de. Oui, c'est SN le commanditaire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme tous les jeux, bah, Cannes, le festival de Notre Gosse, Time Up, etc. Et forcément, je crois, je sais pas si SN le faisait les années précédentes, de s'offrir un jeu comme ça sur l'univers du jeu, ou s'ils font ça parce que Cannes le fait déjà depuis des années. Ouais, c'est plus simple. Ouais, parce qu'il n'y a même pas de. Non, mais en plus, ça c'est Balabra, c'est cool, c'est bien comme jeu. Mais. Je reconnais pas les jeux, hein, parce que ça c'est le jeu carte bleue, c'est le jeu. Là c'est Mr. M. Kid, attends. C'est pas mal ces cartes là. Je connais pas. Ah, il y a la boîte. Il y a la boîte en bas. Mais en vrai, c'est cool bah, d'aller avec ça et de recevoir ça parce que ça fait toujours plaisir. Je ne connais aucun jeu. Si, regarde là, il y a Mr. M. Kid. Qu'est-ce que je dis? Quand même. J'avoue que moi non plus, je les connais pas. Bah voilà. Mais du coup, voilà, petit Similo sympathique des familles pour. Bon, ce sera sympa, oui. L'extension de Darwin Journey. C'est joli. C'est joli. Moi, franchement, le jeu, il m'attire de ouf. Je sais pas pourquoi il y a un vieux qui s'est mis dans le paysage, mais c'est joli. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Comment tu parles mal de Darwin? Respecte-le. Du coup, genre le jeu il m'a hype, j'avais hésité à le backer à la toute base quand il est sorti. Par contre, j'en ai, je l'ai pas fait parce que. Ah, c'est une extension. Oui, okay. C'est une extension. Et le jeu est arrivé tout récemment, je crois, peut-être cet été, pour les backers. Et du coup, il commence à sortir en boutique avec des extensions et tout.
Je ne me demande pas comment on joue au jeu, ni comment on joue les kitons. On peut pas... Il y a un site, attends. C'est eux ? Ouais. Je sais pas si on aura leur site web. Comment tu le trouves ? À propos. Oh, on l'a, on a eu leur Facebook. Trop compliqué. Ce live va se terminer à 13h. On n'est pas prêts. En même temps, on est curieux. 30 journées, c'était plus haut. Tu vas d'avoir une journée là, ouais, ici, exactement. Ah oui, là c'est pour le cahier. Très bien. Okay. Je n'ai pas du tout ce qu'on voulait, mais. Non. 30 journées, du coup, toujours 30%, ouais. Et là, on contrôle. Ah, beaucoup mieux. C'est à peu près ce qu'on voulait. Oula. Ah mais il a... Il a marché, non? Ouais, ouais. En vrai, il a bien fonctionné. Alors pourquoi? Je pense qu'ils ont... J'ai vu des pubs sponsors, donc ils ont un peu payé pour... Il va peut-être y avoir du son. Je le baisse, là, mais... Okay. Ouais, je sais pas, j'entends rien. En même temps... Je l'ai pas lancé. J'ai quand même besoin. C'est bon? Il en faut plus ou pas? Bah, je crois que je suis au Spotify. Ça. Du coup, pourquoi il y a un vieux qui regarde un bateau? C'est ta question? C'est parce que c'est son voyage, son futur voyage. Bon, c'est très bien, pour l'instant, on connaît rien du jeu. Hein. Est-ce que c'est une vidéo, pas de l'introduction du jeu, l'introduction au. À Darwin? Ah voilà, je... C'est pas très clair quand même. Tu manques détente. Un jeu de plateau où tu manques détente, très bien. Bon, c'est joli, mais il faut le jeu de base, quoi. Oui, déjà il faut le jeu de base. Ah, ils sont énervés sur les animations, hein. Et puis ouais, on descend et tout. C'est incroyable, hein. La maîtrise de Blender est totale. Mais ok, très bien. Bon, on a assez vu, je pense. Ouais, c'est du placement d'ouvriers, du contrôle, de plein de trucs. Ça a l'air un petit peu costaud comme jeu. Il faut le dire. Et du coup, c'est l'extension. C'est pour ceux qui ont le. Il faut déjà avoir le jeu. Il faut avoir le jeu de base. C'est mieux. Pour jouer à une extension, c'est mieux d'avoir le jeu de base. Sinon, c'est compliqué. Goodies, Carcassonne de Choupil, on ne passera pas un million d'années dessus. Non. C'est un goodies Carcassonne, forcément on est en Allemagne, donc Carcassonne. Voilà, c'est tout. On est en Allemagne donc Carcassonne. Non mais le jeu. Ah, ah. Oh, vous faites bien de préciser parce que. Putain, ils sont allés si loin en France. Ils nous ont volé Carcassonne. Non mais Carcassonne c'est allemand, donc du coup bah, le jeu. On va passer sur autre chose. Ouais, et du coup il y a eu un petit goodie de Spiel qui correspond mieux au design à la dernière édition du jeu parce que bah... Ah ils ont c'est une réédition d'un ouais, goodies en fait. Exactement. Voilà. On en est là. Venez nous chercher, ça va trop loin. Alors, presque innocent. On a visiblement deux fiches, un Kickstarter et ça va aller plus vite. Un Kickstarter. Donc le Kickstarter qui est fait par DF Game et Colossal Games et le portage qui est fait, c'est écrit ici, par Matali. Voilà. Faut pas rire comme ça. J'ai rien dit. J'ai pas rigolé au moment où t'as dit Matago, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'était. Donc du coup voilà, c'est Kickstarter qui a fait son pari, 100 000 sur 26 000. Et on va aller voir. C'est quoi, déduction coopérative? Chacun tente de prouver son innocence en invitant ses coéquipiers à faire de même. Il faut innocenter toute son équipe. Okay. On va regarder. Voilà, ils sont en train de. Plus, blablabla. Enfin, des dessins un peu parce que là tu vas juste avoir les ouais, des goals j'imagine. Les goals ah peut-être pas, non, peut-être pas. Non, t'as raison, pas.
autant pour moi. Du coup, il y a des fiches, il y a des dés, il y a des caractères habilités. Non, c'est le contenu. Les Undamans, tout à fait. Ah, c'est vrai, j'avais même pas vu quoi. Genre, j'ai vu qu'il a parlé, mais j'ai pas vu qu'il m'a follow. Donc, merci. Faut que je fasse un truc où j'entends un bruit dans les oreilles quand les gens les follow parce que je ne le vois pas. Mais du coup, merci, ça fait plaisir. J'aime bien les gens qui follow. Je suis comme recopole. Je suis perdue, je scroll depuis tout à l'heure. Bah oui, en fait, comme t'arrêtes pas de scroll jusqu'au bout là, mais on comprend pas tellement ce que c'était le matériel de luxe component. Mais bon, c'est les règles. À peu près. Je sais pas. J'ai cliqué sur la vidéo, elle a disparu. Mais ok. Je pense qu'on va encore descendre. Des plateaux. Que c'est Deluxe Edition, il y a marqué alors. Chacun a son petit paravent. Il y a de l'information cachée, il y a la phrase qu'un cluedo, mais je ne pas du tout. Avec des scénarios, visiblement. Est-ce que c'est de l'opposition, il n'y a qu'un seul coupable et j'avais l'impression que tout le monde était gentil. Enfin, tout le monde devait se ressentir. Tout le monde devait se ressentir quand même. Plusieurs scénarios. Ouais, ça a l'air d'être quand même vraiment fou l'opération. Faudrait scroll plus. Ah, par là, je pense. Avant les reviews. Par là, là, on remonte. Ah, là, Summary of Gameplay. Une coopérative production avec une progression story. Where my English is very good. Ah ouais, tu dois prouver en fait, tu dois prouver l'innocence de toute ton équipe, donc c'est vraiment de la coopération, et au sein du scénario, tu dois trouver le vrai coupable, un truc c'est fini, mais qui n'est pas un joueur du coup pour moi. Oui. Et en gros, c'est pas toi qui peux prouver ton innocence, mais ce sont tes alliés. Tes alliés qui ont les cartes pour prouver ton innocence à toi. Donner les clés et après j'imagine que c'est à toi d'aller chercher sur le plateau en fait et de prouver ton innocence de cette façon-là. Ok. Et tu as du coup plusieurs scénarios avec plusieurs plateaux qui en vrai ça peut être sympa. Hein. C'est mignon, j'aime bien le... Bon, j'avais peur que ce soit vraiment du bluff ou comment et tout, et bon, on sait que c'est pas trop notre style de jeu à nous, mais... Bon, ça fait... J'aime bien le design, enfin je sais pas, je trouve ça mignon en vrai. En plus, du coup, c'est un livre visiblement un peu comme Histoire de Peluche. Oula, faut pas que je t'appuie, quoi. Ouais. Pour du coup voir les scénarios aussi. C'est pas. Tout ça, j'aime pas. Écoute. Voilà. Que les livres, de la façon comme Histoire de Peluche, on sait très bien comment ça finit. Hein. C'est tu poses le livre au milieu, tu poses tous les pions, et puis bah pour lire, soit tu fracasses le dos, soit tu bouges tout le plateau pour lire. Coup, voilà, hein. On a un peu plus de design sur la fiche. Ouais, non, ça, en vrai, ça a l'air vraiment sympa. Hein. Ça a l'air vraiment bien. Il y a beaucoup de chiens. Ah oui, et du coup, ça fait. Ah, du coup, c'est des marqueurs réutilisables, ça. Pour pouvoir effacer, je pense. Faire, ouais. Bah, je sais pas. Oui, effectivement, sinon. Ce sera un peu dommage. Oh, ça a l'air bien. Voilà. C'est celui qui me hype le plus, on va dire, pour l'instant. Donc, ça sort. Vendredi. Ça sort vendredi. Allez, la suite. Allez, à la suite, trop. Parce que... On a pas fini, on a fini à peine la ligne, là, il y en a encore 4 autres, hein. On va aller un peu plus vite, je pense. Sinon, on a vraiment pas fini. Amalfi, j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup vu. Est-ce que je sais un seul truc sur ce jeu? Non. C'est Silex, en même temps. C'est un peu mystérieux, quand même. Hein. Je sais pas qu'ils sont mystérieux, c'est que... Ouais. D'accord. Je crois, attends. Oui, c'est ça. Le jeu il date de 2020 et du coup c'est une réédition. C'est une C'est pour ça que ça me parle. Ouais, c'est une réédition. Okay. Bon, 2020, mais je crois qu'ils ont changé le format de la boîte parce qu'elle semble plus rectangulaire alors que maintenant elle est plus carrée. Et voilà. Pourquoi ils ont fait une réédition? Il y a encore de la. C'est du placement d'ouvriers. C'est un jeu à l'allemande. C'est un jeu allemand, c'est un jeu à point. Voilà. Très bien. Black Friday, c'est un peu tôt, monsieur.
c'est... Non, c'est l'ouvrir un nouvel onglet. Oh là là. Ah oui, je suis meilleur. Hein. Oui. Je vais prendre des choses en main et tout, mais j'y arrive pas. Black Friday, visiblement on ne sait même pas c'est un jeu de quoi, parce qu'on n'a rien noté dessus. Ni plateau, ni carte. Mais c'est Matelot. On sait que c'est Matelot. Ouais, ça a l'air d'être un peu... Ah, c'est marrant, ça a l'air d'être du jeu en bourse. C'était de gagner le plus d'or possible en négociant les actions avant le grand crack boursier. Alors à voir comment c'est foutu. C'est prometteur, mais à voir comment c'est fichu, si c'est juste tu passes sur des cartes aléatoires et ça modifie le cours de la bourse en fait, moi c'est tout bof, mais si les joueurs peuvent influencer eux-mêmes le cours de la bourse, ça peut être sympa. Ah. Bah du coup voilà, je vous laisse avec l'image de Black Friday et... Alors c'est pas très bon. Et voilà. Moi je trouve. Alors, je pense que c'est ultra réaliste, mais pas très mais je pense c'est un parti pris qu'ils ont voulu faire, en mode on parle de la bourse, donc on parle de quelque chose de réaliste, donc on fait un truc très réaliste, tu vois, genre très sérieux, très... Oui. Je pense que c'est vraiment le parti pris qu'ils ont pris, de se dire on fait vraiment du sérieux. Voilà. Ouais, bah écoute. Et ben, on n'en saura pas plus. Je pense que ça ne vendra pas quand même, mais... Suivant. Bonne presse. Toujours vendredi, forcément, on ne va pas changer. Ah oui, déjà. Parce que tu vois ça, justement, enfin, tu restes quand même assez réaliste parce que tu reprends les codes du journalisme, mais derrière, t'as quand même une table graphique et je trouve ça déjà un poil plus attirant, perso. C'est vrai. Ah, du coup, t'as déjà pensé à faire les gros titres. En Bretagne, tous les jours. Des scientifiques démontrent que manger de la pizza à l'ananas augmente l'espérance de vie. Oh, bah super. C'est un jeu d'ambiance, vous mettez dans la peau, hein. Ouais, probablement. Non. Il pioche 5 mots au hasard pour vous inspirer. Ouais, en fait il met 5 mots et après avec les 5 mots tu dois faire un titre. C'est pas un limite. Oui, mais c'est de la création, imagination, on va dire, un peu dans ce genre-là. Et le but étant d'avoir, on va dire, un titre quand même, guicheur, provocateur et tout, avoir le contenu des cartes, hein, mais ça peut vite tourner un peu là-dedans. Tout à fait. Après, on va dire qu'il y a au moins un thème. Oui. Il n'y a pas dans les jeux où le but est incorrect. Il n'y a pas de thème. Non, là vraiment, tu crées un titre de journal, donc en vrai, voilà. Pourquoi pas. Ce ne sera pas notre cam, mais... Non. Mais pourquoi pas. Suivant. Escape Game au manoir hanté. Et non pas... Et non pas en L. C'est trop bon. Très bien, la suite, alors. Excusez-moi. Donc, bah, c'est un Escape Game... On n'aura pas tellement plus d'infos... C'est un escape game dans un manoir hanté, voilà. Ozu, pardon. C'est pas le jeu vidéo. Je ne sais plus si les escape game Ozu sont rejouables ou pas. Il y en a 10 en tout cas. Il y a 10 aventures. Ouais. Il me semble que c'est rejouable contrairement à Exit. Ouais, c'est pas marqué. C'est pas marqué que ce soit le substitut ou pas. C'est pas marqué si c'est en mauvais signe, mais Ah ouais? Non, parce qu'en fait ils sont plus même marqués quand c'est Oui, mais c'est pour ça, vu que c'est pas marqué Oui, non, justement, ils sont pas obligés de le marquer. Ah, ils sont pas obligés de le marquer? Non, pardon, c'est ça, ils sont pas obligés de le marquer, donc s'ils le marquent pas, ça veut dire que sinon ils mettraient en avant notre jeu n'est pas... enfin, rejouable, tu vois. Mais sauf qu'il n'y a pas écrit... Peut-être au dos, il y a... En fait, faudrait voir au dos si c'est écrit rejouable. Si c'est écrit rejouable, c'est ok. Si c'est pas écrit rejouable, On ne saura pas. Si c'est un suicide. Donc, bah, faites attention. Vérifiez bien si c'est écrit quelque chose ou pas. Après, si c'est votre kiff de détruire des boîtes, pourquoi pas. Nous, on sait que c'est pas le mot. Mais je crois que Ozu, c'est pas du destructif. C'est pas du destructif. Il me semble. Je vais pas m'avancer. Forêt mixte. Qui ressemble beaucoup à Renard des Bois, d'ailleurs. Probablement le même illustrateur que Renard des Bois. Je ne sais pas, je m'avance peut-être.
Renard des Bois, petit jeu de cartes. C'est du jeu de placement, de positionnement où tu fais des points. Bon, en termes de mécanique, je pense qu'il n'y a absolument rien de nouveau. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que je crois que j'ai déjà vu en boutique. Donc, il est peut-être déjà sorti. Mais genre récemment, genre la semaine dernière, tu vois. Mais pour moi, il est déjà sorti. Faut que je vérifie, tu vois. C'est pas du tout l'auteur de Renard des Bois. Et l'illustrateur ? Pas du tout. C'est son premier jeu. Non, c'est parfaitement. Ça a l'air d'être un premier jeu pour tout le monde, un peu. Même pour l'éditeur, du coup. L'éditeur, c'est qui ? J'ai pas vu. L'éditeur, c'est Lookout Games. Non, c'est ouais. Pas du tout son premier ouais. Jeu. 180 dans le jeu. Agricola. Bon. Pas du tout. Il pèse. Mais je connais pas. Je connaissais pas. Pour moi, à lire les mécaniques comme ça, ça a l'air parfaitement banal. Sur un thème qui est parfaitement banal aussi, mais attirant. Coucou Yann, merci pour le follow. Et tu renommé, il s'appelle Yann Malido. Enfin, hello Yann. Malido. Voilà. Et puis encore avant, il s'appelait juste Yann. Ouais. Mais mais du coup, ouais. Hello, hello. Ouais, c'est-à-dire que la forêt, bon bah, c'est cool d'en parler, mais ça fait partie de ces thèmes. Qui sont plus revus. Bah, c'est ça, c'est à dire que c'est en fait c'est intéressant parce que bah ça sort, on va dire, sur une vague écologiste et puis c'est quand même attirant, la forêt, la nature, les petits oiseaux. Le renard, oh là là. Les renards, voilà, ça fait vendre, hein. Mais du coup, ça fait un peu partie, ça fait un peu partie d'une overdose, on en voit trop et du coup, là, à lire les mécaniques, on sait que ça va rien apporter. En termes de design, on sait que ça, on l'a déjà vu. Yann a dit le renard, il est vraiment choupi. Ah oui, oui, non, mais c'est. Ça change rien que l'illustration, elle est vraiment sympa, elle ouais. Est vraiment très belle. L'illustrateur, maintenant, je pense qu'avec ce jeu-là, il peut tenter de faire d'autres jeux parce qu'il va se faire un peu. Ça va, je pense, voilà, c'est un bon jeu. Je pense que c'est un bon jeu peut-être à offrir à quelqu'un qui connaît pas trop. Je pense que ça ouais. Sera peut-être à voir, mais il y a bien moyen que après, ce soit une bonne porte d'entrée. Il est un peu cher quand même pour une porte d'entrée, ouais, tu voilà. Vois, parce que. La taille de la boîte, elle est vraiment pas grande, hein, pour ouais, le... ça fait... on se rend pas bien parce ça, il y a pas d'échelle. Parce que elle fait ça, tu vois, genre, c'est une taille... Oh ouais. C'est une taille un peu plus grand que le mini game Nilo, tu vois. Ouais, d'accord. On est sur une taille renard des bois, enfin... Ouais, non, c'est vrai que ça fait cher. Pour moi, c'est le genre de jeu qui est allé à 20-21, pas 27. Mais après... À voir. Après avoir, effectivement. Je suis vendre. En tout cas, il va se vendre parce que c'est joli. Je sais que oui. Moi, je l'achèterais si je connaissais. Ah, tiens, regarde ce jeu-là, c'était Humanity, on parlera après, mais il était dans les jeux du Spiel. C'est bon. Ah, oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous connaissez pas parce qu'il était pas encore sorti. Ok. Heredity. J'adore la boîte. L'ADN. Je pense. ADN, ouais. Avec une tête. Par contre, ça sert à rien de l'afficher en plus gros parce que c'est la même. Oui, bon, écoute, mais c'est pour pouvoir défiler, cliquer sur les ordinateurs après. On est sur du post-apo ? On est sur du post-apo ? Oui. Oui. Oui, les chemises ouvertes sur le vide avec des gens qui portent des fusils, des machettes, a priori, on n'est pas sur Dora à la plage, quoi. Hein, non, pas vraiment. On n'est pas dans ce style-là. Le seul truc qui est coloré, ce sont les fusils. Hein. Du coup, coopératif et narratif. Ok. Et c'est ça, le destin d'une famille dans un univers post-apo. Cette aventure se déroule sur 5 chapitres qui forment une campagne. La famille Mingale. Si vous avez fait ça, c'est quand même notre smiley. C'est un petit rigolo. On n'a pas trop d'infos. Quel est l'éditeur ? Tarukat. Des tas d'éditeurs que je ne connais pas. On est d'accord. En même temps, pour le coup, c'est normal. C'est leur premier jeu. Et donc, ils n'auront pas de site. Non, on pourra pas trop aller voir. Tu veux peut-être taper. Darukat Heredity, ouais, vas-y. Heredity. Jeu. Oui, parce que là, je pense que c'est le premier jeu. Là, ouais, ça a l'air d'être leur site. Heredity Games, ouais. Ah, une vidéo et tout. Et soit Spotify, soit la vidéo, au choix. C'est le renard, lui. Ah, mais là,
Ah, ça va être, sans, ça va être moins bien. Tu veux couper On va couper Spotify, je pense. Vas-y, pour mettre je te laisse faire. Hop. Tac. Du coup, le son ici. Moi, je l'entendrai pas. Est-ce que c'est assez fort ou pas? On va faire vite, hein, parce qu'il y a quand même 9 minutes. Alors, on va pas regarder. Même pas assez fort. Je pense que les gens n'entendent rien. Il faudra vraiment regarder. En fait, faut j'apprenne. Bon, alors attends, on va peut-être trouver des trucs en dessous. Donc, je vais. Bon, du coup, désolé, hein, mais c'est compliqué. Il y a rien. Les règles. En vidéo. Ah, en PDF. Ah, voici comment expliquer les règles en salon. C'est bien ça en vrai. Ça c'est. C'est. Bout de point parce que du coup c'est facile, tu expliques. Ouais, pour le présenter. De manière efficace, ouais. C'est cool. D'accord. Okay. Eh bien. Ça s'affichera jamais, on est d'accord ça. Si les gens voient. J'ai fait en sorte que le PDF s'ouvre dans Chrome. Non, c'est compliqué avec jamais avec la connexion. Oh, et oh. On est mauvaise langue, hein. Il est moins mignon le renard là quand non, même. Non, ouais, je préférais celui de Forêt Mix. Finalement, Forêt Mix, il était pas si. Il était beau. Ouais, donc on est vraiment dans du post-apo où toute économie c'est bien casser la gueule, l'énergie aussi. Un carte, une famille, c'est de 4 personnages joueurs. Le dernier sera un personnage à nous. Ah. Et du coup, tu vas avoir plusieurs histoires, c'est ça, hein. Ouais, je crois. On est vraiment purement ouais, chapitre 1, donc. On est dans la narration, il va y avoir peut-être un petit poil de stratégie, mais c'est vraiment de la narration quand même. C'est cool en vrai. Moi, franchement, j'adore les univers post-apo. Et je trouve ça manque. Ça a l'air assez. Ça a l'air assez gérable, y a pas un gros bouquin au milieu de. Ça a l'air assez léger en termes de matériel. Ouais, pour un jeu narratif. Je sais pas combien il peut coûter. Je sais pas, personne ne sait. Même eux ne savent, même eux ne savent pas, non ? Il y avait Ludum. Il y avait Ludum dans les recherches. Là, Ludum, il va nous répondre 44,90. Ok, donc on est quand même sur quelque chose de costaud. C'est fou parce que la boîte n'a pas l'air grosse comme ça, mais bon, après, il y a quand même du matériel dedans. Je pense une taille de Amelia's Secret. Amelia. Je ne sais pas. Le jeu de Regames là. Narratif. Bon, bref. Je ne sais pas. Mais. Ouais, à voir. C'est un peu. Moi j'aime bien les jeux. J'aime bien les jeux narratifs. J'aime bien les jeux post-apo. Et je trouve que ça manque de ce post-apo. Le matériel fait un peu cheap pour le prix. Ouais, ça c'est possible. Mais en même temps, c'est leur premier jeu. Bon, après, c'est l'histoire, et oui, c'est leur premier jeu. Donc en fait, quand c'est ton premier jeu, à mon avis, tu galères. Bon, là, j'espère que le matériel fera pas cheap, parce que 55 balles. Il y a des figurines. Donc c'est pas cheap. C'est des figurines. Hein. C'est tout ce qu'on verra du matériel. Hein. On ne verra rien d'autre. Une image croppée. Voilà. On est encore dans une utopie dystopie. C'est Bombix. Pour le coup, on le connaît déjà un peu plus. Bombix qui fait du matériel pas cheap. Bombix, ils sont en termes de matos, à chaque fois, ils font du bon taf. Hein. Ils vont chercher des petits trucs pour faire des trucs stylés, je crois. Donc pareil, on est dans le placement d'ouvriers, gestion de ressources. En même temps, pour un thème. On est vraiment dans c'est ça. Ouais. Le thème est cool, alors à voir, parce que là avec le matériel on voit. On voit rien. il faut avouer que nous n'avons pas grand chose. Un peu de prise de risque aussi, visiblement. Je peux peut-être aller chercher des ressources très loin, mais tu risques de le payer parce que tu vas pas le ramener. Johan Levet, il est connu, je crois, aussi en termes d'auteur. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi son nom me parle. Ok, c'est une affaire archéologique. Tout récemment, c'est pour ça que ça me parle, c'est qu'il a fait Turing Machine, nommé à l'As d'Or, donc c'est un auteur récent, bah, récent dans 2002, peut-être pas quand même, mais récemment il se démarque beaucoup, soit par Turing Machine ou archéologie. Ok, à surveiller du coup, on voit quand même pas grand chose là, l'image. Ouais, c'est cool.
Marchand de Karanor. Allons-y. Kickstarter. Kickstarter qui du coup doit arriver en boutique actuellement. La campagne a fini il y a un an. Oh, lui par contre il est arrivé tout juste à son goal. Hein. Ouais, et ça c'est pas souvent une bonne nouvelle pour les éditeurs, ils aiment pas. Ils aiment bien avoir une grosse marge. T'aimes pas. Non. La musique de fond était un peu trop forte. Je vais laisser ça. Hop. Moi aussi je la trouvais trop forte, mais je ne sais pas à quel point. Bah bravo. Oui non, moi dans l'oreille, je sais qu'il faudrait être trop fort pour que eux entendent. Salut Mixi. J'ai dû détruire un pseudo encore une fois. Du coup tu n'aimes pas. Est-ce que c'est mieux c'est Jésus à l'avant-plan ou c'est Judas? C'est mieux pour la musique ou pas du coup Yann? Histoire que je sache poser. C'est Jésus. Non, je... Pardon. Bon, on va pas rester sur cette image. Enfin, je sais pas, moi ça... Tu sais à quoi ça me fait penser là ces images? Ça me fait penser au jeu de Legend of Zelda sur les très anciennes machines avec les dessins un peu grossiers, squalala. Ok, et ouais. Karanor, une dérive du nom de Karadoc. Marchand de. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux en termes de dérive du nom, je sais pas. Non, Karanor, Karadoc. Dans Merchant of Karanor, vous tenterez d'atteindre 10 points de notoriété avant vos adversaires en ouvrant de nouveaux commerces, en réalisant des quêtes pour les habitants ou en tout cas en achetant votre propre villa. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on parle de Catan. C'est vrai, c'est vrai. C'est que... littéralement Catan qu'on vient de lire là. Désolé, hein, on vient de lire Catan. C'est vrai, tu. Après, il y a du bateau. Je sais pas à combien était la campagne. Mais surtout deux boîtes. Hein. Écoute, non mais ça c'est pour la. Parce que c'est l'auteur qui a mis la boîte de jeu, je crois. Parce que je reconnais, ajouté par Rémi. Ah, tu reconnais la cuisse de l'auteur non, ici mais d'accord. Non, mais il y a bien marqué Rémi ici, et ici il y a marqué Rémi. Donc, oui, donc c'est l'auteur qui a. Tu d'accord. Vois, j'avais vu son nom sur la boîte. Donc c'est l'auteur lui-même qui a mis une petite photo de son jeu. Donc... Alors, c'est marrant à dire, mais le matériel me parlait déjà largement plus attractif que la boîte. Bah, en fait, oui. En fait, je suis d'accord parce que déjà il n'y a pas les gens. La carte a l'air assez. Il n'y a pas vois... les gens, c'est non, vraiment mais... mieux. Coucou Julien. Hello. Mais regarde, tu vois, genre les gens ils sont là. Genre, merde. Ils ont une petite carte de visite. Mais tu vois, genre. Ils sont petits dans un coin donc ça va. Yann est d'accord avec toi, elle a dit le plateau est joli comparé à la couve. Donc. Désolé. Ouais, je tiens. Bon, à voir. Ah bah, écoute, tu pourras dire à l'auteur que son jeu a l'air bien, mais pas la couverture. Mais après, c'est à l'illustrateur. Non, mais après, donc... c'est mon avis. Hein. Non, mais après. Non, mais oui. Non, mais je suis. Mais après, je suis d'accord que le plateau, genre, il donne envie. Mais là. Salut, Zelia. Ouais, tout dans le jeu peut être échangé, vendu, troqué entre les joueurs. Les cartes marché noir vous permettront de ralentir vos adversaires, acheter des services illégaux, etc. Enfin, vraiment, on est sur du. On est clairement inspiré dans du Catan. Hein. Ouais, ça fait très Catan. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les sorties de la semaine, tout simplement, pour un peu voir ce qui arrive en boutique la semaine prochaine. Et du coup, avec SN, il y en a encore beaucoup à faire. Voilà, oui. Tout simplement. On va passer à la suite, ouais. Peut-être. Mais ça a l'air vraiment inspiré Catan, donc peut-être avoir au moins à tester. Ça dure combien de temps? C'est quand même plus court va... que Catan. Hein. Mais ça a l'air. Après, si jamais. Je trouve ça intéressant parce que Catan est quand même perpu de défauts. Hein. Voir si ça corrige les défauts de Catan, c'est ça l'idée. Ah, t'es pas exagéré non plus, mais bon. Lune 42, ça ne me dit rien. Pas encore en tout cas, et j'ai pas l'impression qu'il y ait dans la liste. Non, après, on passe au 13 octobre et c'est la semaine d'après. Peut-être plus tard, ou alors il est déjà sorti. Et du coup, il apparaît pas dans ta liste à toi. Lune 42, je vais taper. Non, pas. 2023. Il est pas en phase. Ah, il est pas encore en phase de sortie. C'est pour ça. Mais en tout cas, il est déjà là. Il est beau. C'est stylé. Il est planifié pour 2023. Ouais, mais alors quand il 2023. Fait peur, le monsieur sur la boîte quand même. Mais non, mais. Sa oui. Tête sa tête est plus grosse que la planète derrière en fond. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais après, du coup, si c'est pas encore en phase de sortie, c'est déjà sorti ? Oui. Je suis curieuse, parce qu'on n'a pas du tout de date, alors... Un peu de gueule, hein. Ouais, en vrai, franchement, c'est beau. Sans financement, et ben on n'a pas non plus l'information sur le financement. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce jeu. Vous guidez votre vaisseau à travers différentes planètes pour collecter de la lumière et la transformer en énergie. Une guerre pour l'énergie. Moi j'adore l'espace. Vous n'êtes pas seul, les autres joueurs ont envie également d'avoir de l'énergie et de récupérer de la lumière. Et donc à la fin tout le monde se bat et tout le monde finit comme le monsieur sur la boîte. Non, plutôt comme la lune. Non, ceux qui ont perdu, ils finissent comme la lune derrière. C'est ça. Mais en vrai, j'adore la boîte. Bah, suivre, c'est vrai que du coup, on n'a pas beaucoup d'infos. Hein, mais... Ouais, il nous faudrait plus d'informations. Marvel Remix, le suivant. Wow, il y a trop de jeux. Vraiment, c'est Essence à... Marvel Remix. Tout c'est à fait. C'est l'univers de Marvel, ok. Oui. Bah, oui, tout bien. C'est Marvel. Bah, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être. Basé sur Fantasy Realms. Donc en fait, je crois que c'est un Fantasy Realms, mais sur l'univers de Marvel. Je crois. En même temps, c'est ce qu'il y a écrit sur la boîte, donc on m'avance pas trop en disant ça, j'imagine. Mais... Moi, je connais pas le jeu, je peux pas dire, mais. Il peut dire de plus. Il y a des chats aussi dans le Catan, il demandait Julien tout à l'heure, j'avais pas vu son message. Parce que du coup, visiblement, dans le. Ouais, il y a. Je crois pas, hein. Je m'en rappelle plus. Tu peux acheter des. En fait, tu peux acheter des cartes développement. Et des cartes développement, elles ont un peu des effets. Tu peux gagner des points directement. T'as des chevaliers, t'as peut-être des trucs dedans. Mais je me souviens plus trop. Je me souviens vraiment plus trop. Je sais pas s'il y a vraiment des quêtes comme du coup dans le jeu, donc ce serait... Non, je pense qu'il n'y a pas des grandes quêtes comme c'est proposé. Ben après, il y a des quêtes entre guillemets où tu dois avoir le plus de chevaliers, la plus grande route, etc. Mmh. Oui, c'est mais, ça. Non, sinon, pas des quêtes vraiment plus uniques où il n'y a que toi qui peux la faire, parce que là, pour le coup, on peut plus parler d'objectifs. En fait, ouais. Mais vraiment dans le style, on doit accomplir 10 points, tu développes tes villes sur un plateau, tu peux échanger et troquer toutes tes cartes avec tous les joueurs, tout ce que tu as en main peut être troqué. Bah, c'est vraiment la vibe de Catan. C'est hein, normal, Catan c'est une inspiration pour beaucoup de gens et ça me... c'est bien amené. Que ça j'ai commencé à jouer à Catan, moi. J'ai commencé en jouant à Catan. Je sais pas quoi, avec quoi. Si moi j'ai commencé avec le Cluedo alors que je savais pas lire. rien ne va, genre. On en reparlera. Bah Marvel accorde sa franchise à beaucoup de jeux. Il y a de Splendor déjà, ouais. De Asmodée, en fait. Attends, oui, si. Space Cowboys. Ouais, c'est Space Cowboys, ça a été racheté. En fait, justement, Asmodée a racheté Space Cowboys et Space Cowboys, je crois que dans la foulée, ont sorti Splendor Marvel. Donc en fait, les jeux Asmodée, enfin les éditeurs Asmodée, peuvent faire des jeux de franchise. Après, tout le monde le peut, mais il faut aligner les biftons, quoi. Oui, c'est ça. Mais Asmodée, Donc, dans Funny Games, c'est Asmodée aussi ? Je sais plus. Je sais pas. Mais en vrai, tu me regardes, je suis pas dans Funny Games ni Asmodée. Mais il y a quand même pas mal de jeux qui sont sur Marvel, Splendor Marvel. Je connais pas le jeu, mais le prix a l'air pas malhonnête. C'est de l'opposition avec Human Cart, tu en vois. Fantasy Realms, il a une énorme réputation. D'ailleurs, j'ai des goodies. Si des gens veulent des goodies Fantasy Realms, j'ai pas le jeu, j'ai des goodies. mais du coup, Fantasy Realms, c'est vraiment un jeu qui est hyper coté, grosse réputation. Et faire un jeu sur Marvel, sur l'univers Marvel, sur l'univers de Marvel pour s'en inspirer, pourquoi pas. Je pourrais y jouer, c'est un peu du jeu de cartes. Ouais, ça peut nous plaire en ce moment, on est un peu dans cette vibe là, pourquoi pas. Nous avons passé. Ah, par hasard, vous savez si des éditeurs récupèrent les licences de jeux comme Yggdrasil pour les rééditer. Yggdrasil Chronicles ? Yggdrasil, dans quel sens ? Je crois qu'il y a le premier Yggdrasil du coup qui est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est beaucoup plus vieux que ça. 2011 et du coup, il y a 2011 la boîte de base.
la toute première, et ensuite en 2019 il y a le Chronicle qui a été repris, qui s'est fait, c'est la réédition de ce jeu-là, le Chronicle, mais avec plus de matos. Oui, non, c'est vraiment ça, oui, oui, c'est là c'est l'ancien... Oui, ça c'est le premier, ouais. C'est ça, et en fait il n'y avait pas l'arbre et tout, tu avais juste trois plateaux que tu mettais sur la table... Oui, l'un au-dessus de l'autre. Ouais, c'est ça, pour donner cette idée, mais... Mais Yggdrasil, globalement, c'est toujours Ludonaut, en fait, qui s'en occupe. Pourquoi ça ressemble à ça ? Ouais, ça, c'est ça. Je préfère notre arbre. Non, mais c'est un style quand oui, même, hein, vrai, c'est sympa. Bah, nous, enfin, moi, j'ai découvert Yggdrasil avec Chronicle, du coup. Et du coup, bah, j'espère qu'il y a des gens où ouais, bah, en fait, ils sont... Yggdrasil Chronicle, c'est les Ludonautes, c'est ça. Ils, ouais. ils sont chez moi, hein, ils sont de la ville où j'ai habité quand j'étais gamin. Mais en fait, ouais, il y a voilà. Et du coup, c'est tout un arbre. Alors là, on voit le pied, mais je pense qu'on va voir. Pourquoi je fais ça ? Oui, il y a un bouton. On peut avoir des images où il y a tout l'arbre en entier quand même. Il a ajouté un bouton récemment en plus. Ouais. Ah. Voilà. Et en fait, tu as le plateau intermédiaire qui tourne sur son axe pour déplacer en fait les mondes quand tu es autour de la Terre. Mais du coup. C'est vrai que les illustrations. Ouais, franchement, il est beau. Et du coup, pour le moment, il n'y a que ça en réédition d'Yggdrasil. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. C'est pas mal. Oui, oui, oui. Mais après, de façon plus générale, oui, t'as beaucoup de jeux, on va dire, anciens qui sont repris par des éditeurs qui reprennent les droits probablement pas grand-chose. Et qui sort des rééditions. T'avais Super Meeple, ils font pas mal ça, je crois. Il y avait Tikal, bah, il y avait Expédition plus récemment. Expédition plus récemment, tout à fait. T'en as pas mal. C'est vrai. Bah, ils ont raison en soi, c'est des jeux qui. Lequel, le premier ou celui de 2019 Chronicle ? Que tu trouves pas ? Oh, il est sorti il y a un moment, il a fait le Chronicle, ça, quand même. Je sais pas, ouais, bah justement, ouais, c'est 2018-2019. Moi, bah, en fait, je l'ai eu le. Non, je savais pas que. Ah non, Yggdrasil Chronicle. Ouais, moi je sais que je l'ai eu, j'étais déjà dans le monde du geek à cette époque-là, et du coup, c'était mon cadeau de Noël et tout, et je l'ai eu, bah, presque. Bah, le 2011, pour le trouver, c'est très compliqué, il est sur Ocaseo, mais il est très cher, parce qu'il est très recherché. Et si je devais conseiller une version, bah, c'est d'essayer de trouver celui de 2019. Il peut encore se trouver en boutique. Tu peux vous le louer. Ouais, ça peut oui, je pense qu'il peut se louer sur les grandes ludiques ou des trucs comme ça. Mais après, pour le trouver, je pense pas que Ludonote va refaire une réédition parce que ça fait un peu tôt 2019, du coup, entre guillemets. Même si maintenant ouais. On sait que les jeux de 2019 c'est vieux. Oh là là. Oh là, là. mais ouais, c'est compliqué. On va passer à la suite. On va passer à la suite. Bah, parce que 2011 à l'époque c'était peu recherché. Enfin, comment dire. Ouais, c'est ça, c'est de la collection. L'industrie c'était moins développée, donc il y avait moins de quantité. Et donc, du coup, bah, ouais, il est recherché. Les gens le recherchent beaucoup, justement. Donc, quand c'est recherché, bah. Surtout des vieux jeux en bon état. Ça. Ouais, c'est ça. L'offre et la demande, hein. Il y a un peu de spéculation aussi, hein, clairement. Oui, c'est. On vit dans un monde aussi où. Le grand jeu, c'est un peu la spéculation, le coût de la vie est assez violent pour un peu tout le monde, c'est l'inflation, c'est la crise, et donc du coup les gens vont se mettre à essayer de faire de la thune sur ce qu'ils peuvent. Ils sont attirés par les grandes entreprises qui se font des millions de pognon en bourse, et du coup ils se disent, bah, est-ce que je peux moi aussi essayer de spéculer sur des choses, sur des valeurs que j'ai. Ça va, il y a... Et encore, hein, ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on va souvent trouver des trucs de Kickstarter, des stretch goals de Kickstarter en vente, même pas décelés, qui vont se revendre à prix d'or. 30 pour la version de 2011, en vrai ça va. Ça reste, moi je me souviens que j'avais vraiment vu parce qu'il y avait un ami qui la voulait, il y a genre 2-3 ans. Et j'avais regardé les prix. De base, et... 50-60, je pense. Chronicle, ouais. Chronicle, il est à. C'est un cadeau de Noël, alors vraiment, je sais pas le prix, mais c'était même 70-80. Si je... Ah, peut-être pas. Il était pas si cher que peut-être ça. Peut-être 60. Hein. Oui, c'était l'époque, c'était pas cher. Non, à l'époque, ils approchaient pas la barre des 100 balles. Ouais. Mais
mais je sais que la version de 2011, j'avais juste fait pour un ami, et à l'époque, donc peut-être maintenant ça s'est calé, mais à l'époque je l'avais trouvé à 70€, j'étais en mode c'est pas possible. c'est non. Mais ouais, du coup. Voilà. Ouais, du coup voilà. Medieval Academy. On va jamais en parler de ce jeu. Medieval Academy, c'est tout mignon. C'est trop joli. C'est adorable. Alors en fait, c'est vraiment un risque parce que quand je vois Medieval, tu as forcément des gens qui vont sortir un truc genre sur des paysans qui vivent dans la boue, dans la crasse, dans la maladie. Et là, vraiment, c'est trop mignon. J'adore, je suis fan. Viens, on l'achète. Attends. C'est de la draft. On peut acheter, c'est de la draft. Un jeu de draft fun, c'est rapide mignon. Et dynamique. Taquinerie et retournement de situation sont le lot quotidien des élèves de la prestigieuse école de chevalerie. Taquinerie. Les joueurs et joueuses incarneront ces élèves. Au gré de ses cours, ils gagneront ou ils perdront des points. À la fin du semestre, celui qui a le plus de points, il recevra l'adoubement. Oh, bonne récompense quand même. Oui, du roi Arthur, carrément. Hein. Ça déconne zéro. Oh, c'est Blue Cocker. C'est forcément un bon jeu. Nicolas Bouchard est en train de bailler sur la photo. Clairement, pourquoi il a choisi Nicolas. Pourquoi Nicolas? Bref. Ah. Parfois, ça peut être sympa. On n'a pas d'image, hein. On n'a pas d'autres images du. Non, mais c'est sur le site de Blue Cocker, ou quoi, ouais. T'as vu, je suis habitué, regarde. Tac, rapide. Les fonctionnalités du site, tu vois. Comment aller voir les sites d'éditeurs facilement. Je montre qu'on est quasiment toujours à la page. C'est très. Leur menu est très, comment dire. Spécial, un peu. Oh, c'est une course à points. Tout un plateau. C'est trop mignon. Il y a deux plateaux, il y a deux épaisseurs, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression aussi. Bienvenue, jeunes élèves, à la Medieval Academy de l'école de chevalerie. Wow. Non, lui, avec son épée en bois. Ah, moi, je peux faire celui qui lit. Oula, le micro. Il y a lui, là, qui lit. Il est trop mignon, celui qui lit. Avec ses petits pieds en noir. Nicolas. C'était nécessaire, ça. Avec Fiala. C'est l'auteur de... The Welcome to the Moon. L'illustrateur, auteur. Bref, c'est Welcome to... On va pas avoir trop d'infos de gameplay du coup, hein. Ah, c'est compliqué pour voir l'illustrateur. On va pas avoir trop d'infos de gameplay malheureusement, mais oula. Calmez-vous. les meilleures heures du CSS évidemment. Bah merci d'être passé. Et j'espère la fin. Bah, suivre du coup, ça peut être vraiment sympa. Oui, mais on a vraiment aucune info, même sur le prix et tout, on sait rien. Peut-être si tu tapes, si je tape dans sa recherche. Écoute, vas-y, essaye. C'est quoi le nom? C'est Medieval Academy. Medieval Academy. Academy 2. Ah, c'est une réédite? J'ai pas l'impression. Non. Non, c'est un autre truc. Ouais. Ah, quoique, c'est Blue Cocker. C'est... Non, si, c'est le même auteur. C'est Cocker pas Blue. C'est. Quoi, Cocker pas Blue? Bah, il est pas Blue le Cocker. Non, mais c'est le même auteur. Donc, en vrai, c'est le même auteur. Tu vois la page. Magido? Débrouille-toi, écoute. C'est strictement une réédite. Ouais, ok, d'accord. En termes de design, c'est réussi parce que. Copier gros. Et du coup, c'était 30€ à l'époque. 30€, ok. Voilà. 350 maintenant. Bah, suivre du coup, ça a l'air vraiment sympa. C'était Yellow. Ah non, c'est Yellow le stream. Ah oui, c'était Yellow et Bleu. Ok. Bah voilà. Bah, moi je préfère la version. C'est pas photo. Ah, elle est trop mignonne. Bon, allez, on va passer à la suite, là. On a presque fini. Il prend où, là? Il ne reste plus qu'une... Il ne reste plus qu'à remercier Isara Kou. Ah, coucou, Isara. Ça me fait
fait plaisir de te voir, ça va? Tu peux pas. J'aime bien les gens. C'est Ekota. Oui. Moonriver. Moonriver. C'est un film, ça? Ça me parle. Moonriver. Ton univers. J'ai fait rire à la mienne. Il est tellement je suis enthousiaste. J'arrête d'être autant enthousiaste. L'univers, vous êtes enthousiastes toutes les deux, c'est bien. Vous entendrez bien. Je vais bientôt faire des lives avec un peu un univers peut-être un peu chinois, japonais. Je tease. Oh, ferme. Une tuile. Vache. Une ferme bien cocorico. Enfin, plutôt meux. On est dans les puzzles. Ok. Une river. Ah, mais c'est un. Il y a marqué sur l'univers de King Domino. Dans King Domino. King Domino. Moonriver, développer les terres dont vous avez, dont vous venez d'hériter par-delà la fameuse Moonriver. C'est au réveil d'être accueilli avec quelqu'un qui hurle, c'est agréable. Bon, bah je vais continuer, mais. Alors, non, pas. moi je suis pas chaud chaud par contre. Donc, c'est pas que j'accueille les gens. Ouais, non, bah moi. Pas, si je peux choisir, du coup, non. Peut-être plus. Ouais, la bonne humeur, oui, mais peut-être moins de cris, tu vois, quand même. Pas trop d'infos, mais du coup, on est sur, comme t'as dit, hein, si c'est du. Si c'est du King Domino, il faut regrouper, il faut faire des romans dessus et tout. Boom, 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 c'est sympa. Ouais, voilà, draft. C'est joli, ça peut être de l'eau. C'est simple. 30 euros. Ouais. Ouais. Peut-être un poil charge. En fait, c'est-à-dire que, ok, 30 euros, si c'est le premier du genre, pourquoi pas, mais c'est probablement le 52e du genre, donc... Ouais, 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 et puis c'est... Bah après, c'est Bruno Casala, tu comprends, il faut le payer. Bah alors, on a touché son cachet, alors, non, bon Pardon, faut pas dire les choses comme ça, mais en vrai, un bon auteur, forcément, tu veux le payer plus, et... Ça finit où, là? On est presque arrivé. Oui, il ne reste plus qu'une ligne. Et un jeu. Attends. 1, 2, 3. Ah oui, c'est ça, il nous reste jusqu'ici. Et là. Après, il y a le Seigneur et Sushibot à faire en dessous. Bien, on va parler de Terraforming Mars. Ouais. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de d'abord, suite. D'abord, Sidequest. Il y en a deux. Il y en a deux. Seven Seas et Nemesis. Tu remarqueras que les deux, ce sont deux jeux. Nemesis, j'aime bien le. C'est deux jeux différents? Non, mais. Seven Seas et Nemesis. Les deux, c'est des références à des jeux. Nemesis, ok, je vois, Seven Seas, par contre, je l'ai pas. C'est 7ème. 7ème mer, oui. Voilà. Regarde. Je l'ai pas 7ème mer. Si, je suis sûr que tu connais. Si je trouve une boîte du jeu. C'est du JDR, oui. Qui est vieux, du coup. Non, en fait. Bah, excuse-moi, les JDR de 1999, je les connais pas sur, sur le bout des doigts. Hein, c'est une vraie référence ludique, enfin, release plutôt. Mais. C'est une référence. Bon. C'est une référence comme une autre. On va parler de Sidequest. Tu as précoché. Ah oui, mais attends, la boîte elle est énorme, ça coûte pas cher. C'est balles. Du coup, c'est une. Blablabla. T'as préco les deux, Yann? Genre en mode Sidequest, ça te hype ou juste Nemesis et. Ah, c'est un jeu d'énigmes. C'est un jeu d'énigmes de casse-tête. Ouais. Avec un peu de l'histoire. Et du coup, on va pas inspirer. Jeux, forcément. Ouais, écoute, ouais, pour les jeux. Bah, c'est vrai que toi t'es très jeu d'énigmes, alors forcément. C'est l'étrange silence qui règne à bord de votre vaisseau n'est pas bon signe. Ok. C'est vrai que 16 euros c'est pas cher, mais si c'est une énigme qui relope une seule fois en même temps. Je sais pas. Ah, c'est un petit escape game en fait. Ouais. C'est un petit jeu. Ok, là t'as vraiment le contenu. C'est mignon. Au niveau du prix, ça me paraît pas déconnant, et du coup, pareil pour Seven Seas, c'est pour ça que c'est plus facile à se produire. Je pensais que c'était vraiment un gros jeu et tout. Ouais, la boîte paraît grosse, hein. La taille de la boîte et tout, mais en fait, non, pas du tout. La boîte paraît c'est immense. Trop peur. Mais il faudrait mettre un petit truc devant les images pour l'échelle. Pour l'échelle. Pour l'échelle. Enfin, ceci dit, dans les... il a pas ses mensurations. Non, lui, non, mais en fait, ça apparaît ici, là, normalement. D'accord, ouais, quand vous les avez, mais, vous les mettez là. Ouais, c'est ça, là, on les a pas, malheureusement. Mais d'accord. Mais peut-être que quand Yann aura reçu ses boîtes, il pourra mettre les mensurations. Il va me taper. Mais du coup, pareil, on est sur de l'énigme et tout. En vrai, ça a l'air cool, hein, pourquoi pas. Il a dit qu'il les mettrait les tailles, tu vois. Ça, c'est
c'est un vrai sinon faut mettre une règle sur chaque image. Vraiment au milieu en diagonale comme ça. Il y a des gens, ils veulent qu'il y ait toutes les tailles de boîte pour pouvoir faire une ludothèque en 3D sur ma ludo. Les gens s'en foutent. Genre en gros c'est vraiment une fausse ludothèque. Quand tu vas sur la collection tu vois une ludothèque. Ils sont crus dans Smash Bros ou avec des trophées, une vitrine et tout. Genre ils ont proposé ça et le pire c'est qu'ils reviennent, ils reproposent ça pour troller parce qu'ils savent très bien que Yann voit et que Yann est en mode bah non. Et ils reviennent en mode mais ce serait vraiment bien quand même. Voilà. Mais du coup c'est pas possible hein. Non. Parce que déjà on n'a pas toutes les tranches. Bon. Terraforming Mars, nice. Je pense que c'est le jeu que j'attendais le plus de toute la sélection, de tous ceux qui ont été parlés là. Ça alors, je me demande vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'il y a Terraforming Mars dans le nom, quoi. À tout à l'heure. C'est marrant parce que c'est moche pareil. Alors je crois que c'est une IA. Il me semble. Eh ben, ça va, on a encore de la marge. J'allais aussi dire que c'est moche. Là, on est d'accord. Je sais pas si c'est vrai ou pas ou quoi, mais j'ai entendu dire que c'était une IA qui avait fait la boîte. Juste la boîte, hein, quand même. J'ai eu des retours. Bah, il y a le. Après, il a peut-être fait l'intérieur. Qui a fait le... Ouais. J'ai eu des retours dessus. Ouais. Et bah, ça a pas l'air. Ça a l'air très. Divisé. En termes de. Pas trop d'interaction? Non, en termes de retour. Il y a des gens qui aiment. C'est polarisé. Ouais, voilà. Il y a des gens qui supportent pas ça à cause du coup des dés qui créent trop. Aléatoire, ouais. Oui, bon, c'est sur la boîte en même temps. Mais en même temps, voilà. mais beaucoup de gens disent du coup que c'est un Terraforming Mars très bien, encore mieux que Ares pour initier des nouveaux joueurs. Et c'est un standalone du coup? Oui. Ok. C'est vraiment. C'est même pas un standalone, c'est un jeu en fait. Ah oui, c'est un jeu à part. C'est oui. Un jeu, tu ne peux pas mélanger. Bon, après, on n'a pas trop d'images et tout, mais le principe, on va le connaître dans les grandes lignes. Ça, oui. Ça va être de la gestion de ressources et de construire un moteur efficace pour ensuite aller chercher des points à la fin. Et après, sur le côté DICE, je ne sais pas trop comment ça va s'orienter en fait. Du coup, comment ça se. Alors là, je sais pas. Bah, on va regarder, on peut essayer de regarder sur leur site peut-être, ouais, Intrafin. Intrafin. Alors, World of the Game. Probablement. Je suis magique comme ça. Ah, je suis sur leur site, mais genre leur site pour acheter. Bah va, essaye plutôt Frexilus du coup, Frexilus, l'autre éditeur, enfin ils sont... Non, c'est pas d'où. C'est Frexgame. Frexgame, pardon. C'est le nom des autres. On n'a pas leur site. Bah on saura pas, voilà. Moi je veux Terraforming Mars. Non, tu sauras pas. Hein. Il est pas sorti. Bon, non, ils sont pas trop dans la présentation, hein. C'est vrai. Mais du coup, bah. Voilà, c'est Terraforming. Ouais, bah, la boîte est dégueulasse. Et du coup, à voir comment ça se joue, du coup. Mais... Heure de petite anecdote, la première boîte américaine, elle a été vendue à la Team Explorer. Voilà, c'est tout. Genre, ils ont la première, la boîte numéro 1 américaine. On s'en fiche, mais. Elle est numérotée? Je crois, ouais. Putain. Voilà. Pas dégueu. Donc voilà, Terraforming Mars, bah, c'est qui. Mais bon, à tester parce ouais, que jeu, il faut le bon dire. Après Terraforming Mars est pas reconnu pour ses graphismes hallucinants, sa patte graphique géniale, la non vache. Parce que c'est des photos de vache. Bref. Waterfall Park. C'est un meilleur achat avec moi. Ah hein, oh, bah je le travaille. Hein. Robot production. Ça. C'est choupi. Ouais. C'est ça. En fait, c'est un parc. Oui, c'est un parc. Oui, c'est dans le nom de parc. Oula! C'est du welcome to ça par contre, monsieur. Avec beaucoup de chiffres. Ouais, ça. Ça me fait plus penser à. Sérénité là, je sais plus. Tranquillité? Tranquillité, oui. Non. Non, mais je veux dire. Le plateau, ah, bah non. C'est la réédition de Chinatown.
Le jeu de négociation. Célèbre. Le célèbre. Il faut préciser célèbre, en mode oui, célèbre. Très célèbre. Le but du jeu est d'échanger. Le but du jeu est d'échanger et d'échanger. Mmh. Très bien, merci. Écoute, on corrigera cette chose plus tard. Une nouvelle version du jeu est plus courte, plus familiale. Échange et interaction ont été considérablement augmentés et rendent le jeu encore meilleur. Oh, bah, c'est vraiment meilleur. Un bug de Chinatown. Quand on la gamme de trucs bleus au milieu. Très bien, 99. Ah ouais, il y a déjà eu, c'est la deuxième réédition. Non, c'est la troisième, parce qu'il y a 99, il y a 2008, il y a 2014. Ah pardon, oui, d'accord. Donc on est... On ça, est... ça c'est vraiment des... tu n'auras pas plus gros. Mais c'est terrible. Et on n'a pas de description, on n'a rien, tu vois, genre, on ne sait rien sur Final Town à l'époque. J'ai l'impression d'avoir plus d'images en plus petit après. Ah oui, ouais, non, c'est obscur, hein. C'est obscur. On est sur. Non, on n'a pas de description, hein. On ne savait rien. Ouais, non, j'essaye pas. J'ai bien compris. Non, bah. Ah, il y a un commentaire. Intéressant. C'est ça, c'est la négociation. Ça peut être fermé hein, à terme, mais bon, justement, si c'est orienté familial, je pense que c'est une bonne idée, une bonne chose. Coucou GameStyle, ça va et toi? Hello. On continue? Ouais. On est bientôt arrivé. Youhou. Western Legends. Oh, ça, c'est un micro game. C'est un micro game, ouais. Matago. Ça se voit. Effectivement. Tu vois, j'ai repéré ça, la taille. Alors, petite information pour ceux qui vont acheter Western Legends. Peut-être que ça vous étonne. Ils ont mis les règles françaises et anglaises. En les comparant, un ami s'est rendu compte que, eh bien, ce n'était pas la même chose dans les règles françaises et anglaises. Voilà, c'était... De quoi ? Il y a une erreur Oui, il y a une erreur de traduction. Oui, c'est Matago, c'est charmant. Oui, non mais voilà, mais comme ça les gens le savent. C'est bien, Matago, ils sont gentils, ils font deux jeux différents. Mais du coup... Selon si t'es anglais ou français, tu peux acheter les deux boîtes de deux jeux. Non, du coup, non, dans le jeu, ils ont mis les deux règles directement, pour une fois. D'habitude, ils le faisaient pas, et là, il y a les deux règles, donc tu peux directement comparer les deux chez toi. Ça, c'est bien. En plus, c'est des coûts d'édition en moins. Et du coup, un ami s'est rendu compte que la traduction anglaise et française, c'était pas la même concernant des cartes... En gros, c'est genre, en anglais, c'est vous devez avoir au moins, vous pouvez jouer une carte du moment où vous avez deux cartes rouges et deux cartes noires minimum. Et en français, ils ont sauté le minimum. Il vous faut deux cartes rouges et deux cartes noires, point. Sauf que, c'est injouable. Si jamais t'en mets trois, tu peux pas jouer, alors qu'en vrai, en anglais, tu peux jouer. En gros, j'ai très mal expliqué, mais... Oui, ils ont confondu ou et. Ouais, non, c'est ils ont enlevé un minimum. D'accord. Au moins deux cartes de chaque. Contre deux cartes de chaque point. Oui. En vrai, ce serait pas bête, effectivement, d'indiquer les erreurs de traduction. Ce serait du boulot et tout, en plus, mais... un petit encadré erreur. Mais je crois que si on demande ça, on va se faire taper, mais... c'est pas difficile, hein. Tu prends Matago et ensuite tu parcours tous les jeux un à un et tu mets une balise erreur, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué. Et après, ceci dit, il y a vraiment des trucs où ce serait vraiment bien... Oh, moi, ignoble. Le Atlas qui a sauté. Oui, Atlas, c'est au moins. Ah oui, ok, pardon, ça va... Mais ouais, on m'a dit ça pour ce jeu. Je comprends pas pourquoi, genre, il y a une erreur de traduction sur Matago, on vient me voir pour me le dire. Je plaide. Non, en vrai, je comprends. J'arrête pas de les taunt un peu, mais j'achète leur jeu parce que leurs jeux ils sont bien quand même, donc. Je suis pas au point de boycott. Bon, et du coup, le jeu. Oui, le jeu lui-même. le jeu parce que c'est toujours marrant de taper sur Matago, mais on pourrait y consacrer des lives entiers. Donc du coup le jeu en lui-même. C'est joli. Le jeu en lui-même, du coup, c'est cette carte-là, je crois, dans le livret de règles, les règles sont fausses parce qu'il il faut deux cartes noires plus deux cartes rouges. Et tu peux en avoir plus. Non mais parlons du jeu. Mais le jeu, du coup, c'est le but, c'est un jeu de deux joueurs. Pardon. Où en fait tu vas, c'est un peu du jeu de pli, en fait, où faut faire les bonnes combinaisons de cartes contre l'adversaire.
Voilà, sur le thème Far West. Respectons les conditions de prise imposées par trois lieux emblématiques du Far West. Et voilà. Lieux emblématiques du Far West qui sont la maison un de la taureau, maison, une mine et une étoile du shérif. Oui, c'est pour ça qu'ils font... En fait, je pense pas que c'est pour ça qu'ils font autant d'erreurs et parce que les gens achètent, c'est juste qu'il leur manque un relecteur. C'est un fait, genre... Ils peuvent pas Ils investissent pas, c'est fin. Ils peuvent pas dire, oui, on a un relecteur à partir du moment où il y a vraiment des grosses erreurs de relecture à chaque stream de Bobby. C'est pas notre faute! Au fond, je les aime bien. Et puis, c'est parce que. Pourquoi on parle toujours de Matago? Parce qu'ils sortent beaucoup de jeux. Et forcément, bah, quand ils sortent beaucoup de jeux. Non. Tu peux pas être irréprochable sur tous tes jeux. C'est aussi ça, c'est que ça. Oui, mais eux, ils arrivent à être irréprochables sur aucun jeu. Non, mais je pense que dans le tas, il y a des jeux où ça va, mais ils en sortent tellement qu'en fait, dans la moyenne est mauvaise. Genre, peut-être. Alors, à chaque fois, il y a un truc. Peut-être, genre, 3 sur 4 jeux, il y a des coquilles. 3 sur 4 jeux, quand tu sors 10 jeux par mois, bah, ça fait quoi? Ça fait 8 jeux qui sont pas bons. Non, mais je suis désolé, c'est pas. Bon. Je sais pas si j'ai envie de parler de ça maintenant, mais... Enfin, genre, t'as une coquille en mode « Ah, on s'est juste planté, il y a quelques fautes d'orthographe qui sont glissées, bon, ok. » Et il y a des trucs... Il y a des erreurs de traduction sur du gameplay, là, c'est déjà beaucoup plus reprochable. Et ensuite, t'as des erreurs qui ne sont pas des erreurs, qui sont de la pure fainéantise. Dans Bullet, c'est juste... Bullet, je suis persuadé que les textes sur les cartes ont été passés à Google Trad. Mais je pense que Bullet, ils y croyaient pas aussi, tu vois. C'est... Parce qu'il y a quand même une différence entre un jeu où ils y croient pas, entre guillemets, comme Bullet et Root ou quoi, où, ok, il y a des erreurs, mais c'est quand même bien fait. Et oui, on est focus sur Matago parce que on voit leurs erreurs. Oui, Yellow fait des erreurs et c'est drôle. C'est drôle. Après, tous les éditeurs font des erreurs, ça c'est vrai. Genre, on peut pas dire que Studio H n'en ait jamais fait, que Yellow n'en ait jamais fait, que Lucky the Game n'en ait jamais fait. Je pense c'était d'autres qui ils ont fait des erreurs, mais Matago, on est focus parce que on le sait. On se dit que il y a 8 chances sur 10 pour que le jeu ait une erreur, donc on y prête attention. Bah, en fait, le problème de Bullet, c'est que j'ai lu un peu du C-Word sur le forum. Et la seule personne, entre guillemets, qui... Avec des guillemets, hein, je mets des guillemets. La seule personne qui y croit, c'est le community manager. Et il a un peu poussé le jeu, parce que lui, il croit dans le jeu, etc. Il a essayé de pousser Matago en mode, bah venez, on fait le portage, parce que le portage est cool. Mais fatalement, bah, le jeu, il s'est vendu comme il devait se vendre, c'est-à-dire à peu près ok, mais c'est pas non plus parfait. Et du coup, bah, c'est dommage parce que le jeu il est bien. Et voilà, moi j'aime bien Bullet. Ils avaient pas changé la boîte ? Si. Si, c'est celle-là, ouais. Ouais. Pourquoi lui il sort ? Bref. Bah, je sais pas, parce que du coup il y a deux boîtes. Bah, il y a la version américaine. Celle-ci. Ah oui, c'est anglais, et après il y a une autre, mais ouais. Elle est pas encore là. Du coup, je sais pas, visiblement elle est pas là. De quoi ? Bah, la réédition de la boîte avec... il me semble qu'ils avaient changé l'illustration oui, devant. C'est celle-là ? Non, il me semble que sur celle-là, ils l'ont encore rechangé. Bon, bref. Mais, sur Bullet, ils ont passé des textes à Google Trad. Hein, tu regardes les aides de jeu, tu ne comprends pas l'aide de jeu. Et en fait, quand tu vas lire dans les règles, tu te rends compte que... Ah oui, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit et tout. Mais il faut connaître l'anglais, hein, c'est... C'est pas évident pour tout mais le monde. Mais après, hein. Voilà, c'est... Je pense qu'il leur manque un relecteur, ce serait bien d'avoir un relecteur. Alors que DeepL est beaucoup mieux que Google Trad. Oui, ça se trouve, c'est DeepL, hein, on sait pas. Non. Bon, bref. Bon, allez. Parlons d'autre chose. Avant-dernier jeu, on y est. Parlons d'autre chose, le m'énerver. On va parler de Earth to Slay, Berserker and Necromancien. Bah, ici pour tuer Berserker Necromancien. C'est une extension d'un jeu que je ne connais pas. Earth to Slay, ça ne me... Et bah merci pour la présentation. De rien. Vraiment, je ne connais pas le jeu de base. L'illustration, elle est genre fantastique. C'est, je crois que c'est... Elle est incroyable. Ça doit être l'illustrateur de Happy Little Dinosaur et tout. Ouais, c'est T-Turtle, c'est ça. Ils ont le même illustrateur pour tout et à chaque fois, les illustrations sont trop bien, T-Turtle. Ils sont incroyables. Ils font des t-shirts, ils font des goodies. À chaque fois, je vais voir leur shop et je veux tout acheter. Que ce soit les jeux, les goodies.
Ce serait bien quand c'est une extension d'avoir le. Ah mais c'est parce que c'est compatible et tu l'as là en fait. Voilà. Tout à fait. Ce serait bien d'avoir quelque... une fonctionnalité qui est déjà en place. Très bien. Ah si, je l'ai vu passer du coup. Préparez-vous à faire un carnage. Très bien. Les dessins sont. Mais T-Turtle, ils sont. Ils sont géniaux. Il a l'air cool, hein. Mais il est pareil, sorti il y a pas longtemps du coup. 2023. Ouais. Janvier. Plus près du début que de la fin. C'est compétitif, c'est pas de la coop. Je pense que tous les jeux de T-Turtle, c'est un peu la même vibe, c'est ça va être tu joues tes cartes et tu un peu tapes tes amis okay. Comme Happy Little Dinosaur, comme une stable unicorn, comme blablabla. Est-ce qu'on a gagné à YVV? Oui. Non. Oui. On s'est fait rouler dessus par le deuxième du classement, mais sinon tout va bien. On s'est fait massacrer. Oh ça va, on s'est fait massacrer de 30 points. J'ai connu pire. Mais ouais, franchement, j'ai trop. Bientôt, je vais. Regarde-moi, c'est trop beau. Le jour où j'ai de l'argent, je me prends plein de t-shirts T-Turtle. Ils font plein de goodies. Goupil l'espion. J'ai envie d'y jouer. Mais moi j'ai joué à Happy Little Dinosaur et j'avoue que j'étais un peu saoulée. J'adorais les designs. Hein, ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai entendu, mais les designs de ils sont forts. Ils sont très très forts. Ah, qu'est-ce que j'ai fait des bêtises. Il reste le dernier du coup. Les deux derniers. Il nous reste un jeu pour vendredi et un jeu pour samedi qui est tout seul. Qui s'est perdu. C'est une extension. Voici une extension. Le Seigneur des Anneaux. JCE, pardon. Ouais, c'est T-Turtle, c'est vraiment une idée très chouette, je suis d'accord. Jeu de cartes évolutif. Extension. J'ai pas grand chose à dire de plus vu que c'est une extension d'un JCE qui existe depuis. longtemps. On a Chaotique chez nous et c'est sympa en petit jeu. 2011, voilà. Ok. Tic chez nous, ça me dit quelque chose. Chaos, ça me parle pas. La DA est belle de T-Turtle, j'imagine. Je crois qu'on a du ping. Ah oui, on a un retard de malade. Je suis au courant. je me rends pas. Ouais, non, mais c'est incroyable, c'est super joli. Ah, Seigneur des Anneaux. Très bien, on n'a pas de lag, du coup. Enfin, un peu, c'est pas mon truc, mais... Là, on est sur 2011. Hein. Ce que je montre à l'écran, c'est 2011. Moi, ce que j'aime bien dans les JCE... Attends, c'est un jeu de 2011 et ils sortent des extensions de ce jeu? Ah, mais clique sur la gamme. Combien? Oui, voilà. C'est pour ça que je t'ai dit... Quand j'ai soupiré en mode le jeu existe depuis... C'était pas une blague. Trop. Mais parce qu'en fait... L'avantage du JCE, jeu de cartes évolutif, c'est que tu sais ce que tu achètes pour faire du deck building autour. Oui, c'est aussi une réédition, ils ont raison les gens. Mais c'est un gros point fort parce que les gens savent ce qu'ils achètent, ils savent ce qu'ils prennent, et ça fonctionne bien. Et je pense qu'un JCE, ça marche autant qu'un JCC, mais les gens vont plus facilement continuer à acheter parce qu'ils disent « je sais ce que j'ai dans le paquet, je peux tout avoir ». Et voilà. Mais les gens, parce qu'on parle d'Ionzen, nous on a trois boîtes, nos amis nous prennent déjà pour des tarés. Les gens qui collectionnent ça, ils ont une armoire complète de... Bah tu regardes, il y a déjà 4 joueurs qui l'ont en collection et 17 en wishlist, hein, donc en vrai... Ah non, mais ça marche bien. Mais je crois que beaucoup de gens qui font du JCE, ils s'en foutent des boîtes. Comme tu fais quand tu fais un... Ouais, un tu récupères les cartes, tu jettes tout à la poubelle. Le booster, hein. tu le jettes, enfin tu vois genre... Oui, c'est du JCE ou coopératif, c'est beau. Enfin, c'est juste carte. Pourquoi du JCE? Ok. Il a pas le bon tag, mais c'est pas grave. Bon, pas mon... Perso, pas mon truc, après je suis pas trop dans le délire du Seigneur des Anneaux. Et puis maintenant, ouais, le problème c'est que si tu veux vraiment rattraper... C'est une extension ou tu peux y jouer... Ça c'est une extension, mais t'as pas besoin... Parce que, est-ce que... Attends, on me provoque là. Quoi? Je cherche mes displays. On m'a dit on jette toutes les boîtes même les displays et du coup je vais chercher mes displays en mode. J'ai mes displays. Ils sont. Je sais pas. Je sais même pas où ils sont. Mais. Ce que je... Ah oui, tu peux les chercher si tu veux, mais. Le truc c'est que. Parce que c'est. Le truc c'est que si tu es un nouveau joueur et que t'es intéressé, du coup il faut acheter quelle boîte en fait? Genre moi aujourd'hui je suis intéressé, c'est faux. Mais je suis intéressé, bah la boîte de 2011, déjà je pense que je vais pas la trouver. En fait,
tu vas dans la gamme, déjà tu fais jeu de base. Ouais, je montre. Et tu prends la plus récente. Ok, ouais. La plus récente, 2022. Ouais, réédité en 2022. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de boîtes, parce qu'ils avaient, ils ont arrêté. Ouais, et ils ont bien sûr, ça. Donc là, c'est tout récent. Ok, ouais, ça. Donc tu prends celle-ci, 2022. Elle est jolie. Mais après, tu peux prendre n'importe laquelle qui va avec. Et après, après, voilà, tout. Alors, je sais pas à quel point. Les nouvelles boîtes sont valables avec l'ancienne, mais je sais pas si les anciennes cartes sont valables avec la nouvelle. J'ai pas l'impression, vu ce qu'on a mis en compatible ici. Voilà. Bah, c'est un peu con si tu édites un truc en 2023 que c'est pas compatible avec ce que t'as sorti en 2022. Je pense non, que si, je pas, pense que. C'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que je ne sais pas si les boîtes, les extensions de 2023 sont compatibles avec 2011. Ah, ok. Mais est-ce que les extensions de 2012 sont compatibles avec la boîte de 2022? Je sais pas trop. C'est dans ce sens-là. Après, pour le coup, là, tu t'embarques vraiment dans un truc absolument monstrueux parce que c'est du JCE, c'est des cartes, il va y avoir du power creep, il va y avoir des rotations, enfin... Déjà, nous, on regarde Ion's End, on n'a pas tellement de boîtes. Si, en fait, il y a plusieurs boîtes d'extensions, mais... On n'a pas tellement de boîtes. Mais rien que dans la Legacy, il y a des gemmes qui sont affreusement plus faibles que d'autres cartes dans cette même Legacy. Et ouais, tu le sais, c'est flagrant, et c'est fait... Et même, ils s'en cachent pas, c'est fait exprès pour apprendre le jeu. C'est normal. C'est fait exprès. Mais il y a des cartes dans la Legacy, on pourrait les jeter, parce que, genre, la gemme dorée qui coûte 6 et tu gagnes 3 et c'est tout, tu t'en sers jamais, en fait. Tu t'en fous. Ça ne sert à rien. Mais j'ai un ami qui l'a, du coup, ce jeu-là, et il le surkiffe aussi... Tu ne joues pas avec un jeu avec la boîte de base, tu n'as pas les cartes qu'il faut pour finir certains scénarios, donc il faut les extensions de personnages en moins. Pour le pour celui-là, du coup. Ouais, donc en fait, c'est bien ça. C'est que les extensions sorties après 2022, après cette boîte-là, sont valables avec la boîte de 2011, mais tout ce qui est entre 2011 et entre 2022 n'est pas valable pour la boîte de 2022. Ouais. C'est ça. Oh, c'est compliqué. Il faut un budget. Oui. Et du coup, le jeu de base coûte 60 euros voilà, pour pouvoir jouer. Mais ce qui paraît, le jeu est fou. Hein. Le jeu est incroyable. Ouais. Ah bah, j'en doute pas. Hein. J'avoue, clairement pas mon style perso, mais... en tout cas, juste en graphisme. Hein. Pas en mécanique, mais en graphisme pur. Mais, j'en doute pas. Et l'extension coûte. Tu as vu le prix de l'extension? J'ai vu le prix de l'extension. C'est un jeu. C'est pour ça que je me suis dit, mais en vrai, je peux acheter ce jeu-là. C'est bon, c'est le prix d'un vrai jeu. Mais après, il y a je sais pas combien de cartes dedans. Et bah, à tester à l'occasion, mais je l'achèterai pas. Tu on finira avec Sushi Boat. Le bateau de sushi. Très bien. Très bien. Ouais, il y a plein d'images. Hein. Oh, c'est très Japanimation. Donc peu, ça, voilà. Ça sort samedi. Bon. Et toi, ça te dit C'était nul comme blague, c'est ça? Mais je méritais vu la blague nulle. En fait, c'est marrant parce que c'est comment dire, ça a l'air très accueillant, genre la boîte, le design a l'air très accueillant, genre c'est de l'animation japonaise et tout. Très bien, GameStop a répondu, je n'ai pas eu le temps, rien à voir avec. Et très bien, et à côté t'as 60 balles. Hein. Quoi? Pardon, excusez-moi, je quiz. Après, il y a peut-être beaucoup de matériel. Ah non, mais j'en doute pas. Ah, mais c'est le jeu où ça défile, donc en fait, t'as tout un mécanisme. Ah, ça, ah oui, d'accord, d'accord. Pour ça, c'est pour ça que c'est cher. En gros, genre, je crois qu'il y a vraiment le plateau, il bouge vraiment pour faire un jeu en temps réel où le plateau, il se déplace. Oui, comme dans les... où t'as des... Comme dans ces restaurants où t'as des tapis roulants pour les sushis. C'est ça, exactement. Ah, comme dans Overcooked, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça... Ça oui, tu vois, t'as les pièces qui peuvent passer en dessous. Ouais, donc forcément, le prix, quand t'as un mécanisme comme ça qui est dedans, Parce que en dehors de ça, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de choses quand même. Ouais. Ah, il y a quand même. J'ai l'impression qu'ils ne mettent pas tout le matériel. Hein. Bah, merci, GameStef. On continuera à être à deux, du coup. Mais ouais, du coup, le plateau il bouge et donc. Pas de panique, oui, c'est ça. J'ai du mal à voir si c'est si c'est plutôt familial, niché expert, quelque chose comme ça. J'arrive pas bien à voir la cible. Hein. Ouais. Je suis très troublé. Tu es troublé? Je suis troublé. Là, pour le coup, attends, ils disent quel âge
8+, donc familial. Familial à 65 balles Oui. En même temps, ça bouge. Non mais très bien, mais bon... Moi, je veux voir une vidéo de ce jeu. J'ai besoin. Je veux... Je veux le voir bouger, là. Ah, je me disais... Quoi ? Ça bouge vachement vite. Nos jeux. Ouais. Non, oui, effectivement, donc Panic Games, c'est un éditeur pour public familial. Donc, en fait, c'est pas choquant. Je trouve pas parce qu'il est pas encore sorti, c'est ça ? Je pense que non. Comment il s'appelle ? Sushi Boat ? Oui, Sushi Boat. Mais oui, l'éditeur de base n'est pas un éditeur... Ça affiche pas. Et, bon, tant pis. Je vais pas y arriver. Pourquoi ils mettent expert, hein, donc en fait... Oh là là, comment ça se moque de mon accent. Faut vraiment qu'on en sache plus, mais... Sushi Boat. Sushi... Tape Sushi Boat, là, un peu. Là. Jeu. Sushi Boat. Sushi Boat, Sushi Boat. Ils ont une page, en plus. C'était un Kickstarter. Ah. Attends, c'est quoi? Plus haut, là? Un plateau en bois. Ah, c'est du bois. C'est du bois. Bah, comment ça bouge, alors? Ça bouge pas? Non, mais la piste à l'intérieur, elle bouge, là. Je pense que c'est les tuiles que tu pousses. Ça a l'air d'être ah, ça. Vidéo de Don't comment Panic. Tu fais? Je vais couper la musique. Comment on coupe? Je comprends rien. Ah, comme ça. Si, ça a l'air de bouger quand même. Vachement gros. Trop près. Ah, sur l'écran 4:4, trop près. Ah non, tu pousses les jetons. Ah, tu pousses. Ah, bah là, je suis déçu. C'est extrêmement... Là, C'est extrêmement décevant. Parce que là, du coup, 65 Moi, je voulais mon tapis roulant électrique, là. Tu vas 65 euros pour ça. C'est en bois. Bon, d'accord. Jusqu'au bout, moi, j'ai cru que ça bougeait, hein. Tout seul, tu vois, comme ça. Je pense qu'il y a... Il y a la moitié des prix qui est passé dans l'animation de là. Mais moi, j'étais sûre que ça bougeait tout seul, hein. Là, je suis... Ouais, tu pousses, quoi, genre... Un plateau en plusieurs épaisseurs et tout, mais c'est pas... Non, mais 65 euros. Pour du familial, du coup. C'est trop près. Oui, mais on a compris que ça bougeait, merci, mais... Mais pas tout seul. Ah, pas tout seul. Regarde, y'a personne qui pousse. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est valide, alors. Je suis... Yop, y'a une patte qui a pris un poisson. Oh. Ouais, bah, écoute... Bah, trop cher. Trop cher, hein. Environ 3 fois trop cher. Sushi Boat là. Minimum 2 fois trop cher. Après, il faudrait y jouer pour être sûr. Mais je dirais 2 fois trop cher parce que c'est du bois, il y a la double couche, il y a quand même du travail sur le matos, tu vois. Mais voilà. Ouais, non, à voir, mais ça a l'air vraiment trop cher. Eh bien, voilà. Attends, je pensais qu'on allait pas y arriver, hein. Je pensais qu'on allait terminer à 17h. Ouais, franchement, 11h. On va avoir le temps de faire ce qu'on avait prévu à la fin. On a le temps de faire. Et après, on ira tous manger. Ouais, parce qu'on va avoir faim. Ça fait 2 heures qu'on live. T'es pas fatigué? 2h05, si, bien sûr que si. Mais j'ai eu mon pic de fatigue, ça va mieux. Tu veux qu'on arrête ou... Non. Ok. Bon, bah, on continue alors. On a dit qu'on faisait la troisième partie. Nous allons faire notre début de top 50. On s'est décidé qu'on allait faire le top 50 et sur une idée de qui? De Miss Meeple BG sur Instagram, aussi connue comme sous Fiona, comme prénom. Incroyable. Elle s'est mise à faire ça et puis bah, tout le monde l'a suivi sur Instagram. Alors vu que je suis une influenceuse influencée, bah moi je le fais sur Twitch. Voilà, genre la meuf originale mais pas trop quoi. Genre je m'inspire des autres mais voilà. Et on a décidé qu'on allait le faire en 10 semaines. C'est ça? Oui, 5 x 10. 50. Tu veux le faire par un paquet de 5? Ouais, okay. C'est ça qu'on avait dit. Bah t'avais dit 10 mais ouais, moi mais j'avais dit 5 va. Ouais bah allez, on va dire 5. Donc voilà, d'ici 10 semaines vous aurez notre top 1. Notre top 1 favori à tous les deux. On ne s'est pas concerté pour faire nos top 50, histoire de comparer un peu nos jeux. Bon, y a des trucs, je pense, je serais pas trop surpris, il y aura des surprises et des trucs pas surprenants, hein, mais... Mais il y a un peu des trucs marrants.
Donc du coup, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence à annoncer mon top 50? Bah écoute, je peux commencer. Tu fais quoi? On fait un par un ou je fais mes 5 premiers un par un, et tu fais tes 5 premiers? Comme tu sens. Et tu veux pas le noter quelque part aussi du coup, en même temps? Pour qu'on ait la liste à la fin? Ouais, oui, je vais noter. Ouais. C'est Miss Nipple BG. Qui fait Insta, je vais l'écrire. Faut même mettre son Insta, mais je sais pas faire. Bah bravo. Miss Nipple. Tu peux l'écrire bien aussi, par contre. C'est dur d'écrire. Hop. Je vais cliquer sur le lien de sponsor, enfin de la campagne sans faxpack. Très bien. Je le noterai et puis je ferai le petit débrief, je sais pas quand, sur Insta et voilà. Bon bah je commence du coup. Très bien, ton top 50ème. Mon top 50, c'est un jeu auquel j'ai joué un peu au boulot. Entre milliers et deux, hein, calmez-vous. C'est Skull. Qui a été réédité aussi, je crois, d'ailleurs. Ouais, tout. Parce que la boîte dans laquelle on a joué, elle était parfaitement défoncée. Mais... mais du coup, la réédition, c'est ça. Ouais, ça, c'est la réédition de février, mars. Et alors, en gros, c'est purement bluff. Il n'y a vraiment pas autre chose. Et c'est assez rigolo parce que tu n'as pas de cartes ou quoi. C'est des bocs de bière, en fait. Ce sont des petits cercles assez, assez larges. Sur les cercles, la plupart du temps, il y a une espèce de fleur un peu imagée, et sur un des bocs de bière que tu possèdes, il y a un crâne. Et en gros, ça va être un jeu de bluff, de pli, où tu vas poser des bocs face cachée sur la table, et au bout d'un moment, un joueur, quand il en aura marre de mettre des bocs, il va dire bah, « je pense que je peux révéler 3, 4, 12 fleurs au milieu ». Et les joueurs soit se couchent, soit surenchérissent. Et après, bah, le joueur qui a gagné la mise, en fait, doit retourner le nombre de fleurs qu'il a indiqué. Et s'il soulève un crâne, bah, il a perdu. Et du coup, il doit enlever une pièce de son jeu. Alors, c'est sympa à jouer. Il ne faut pas le jouer avec des tryharders. C'est parfaitement horrible. Il faut plus le prendre à la déconnade et vraiment chill. Ça, c'est un jeu d'ambiance, quoi. Donc, Le défaut, en fait, c'est que c'est un peu comme le Perudo, c'est-à-dire que celui qui perd un boc, bah, il perd une possibilité de jeu. Et il va être moins à l'aise, il va avoir moins de possibilités. C'est les un gens jeu vont, boule de neige. Les gens vont cerner. C'est un jeu boule de neige. c'est du snowball, hein, clairement. Il n'y a pas de dés, hein. Le Perudo, les dés. Ah oui, le Perudo. Ben, c'est un peu le problème. Perudo, tu lances les dés, tu finis par annoncer juste le nom d'oiseau parce que ça... Skull, il n'y a pas de dés. Du coup... Skull, il n'y a pas de dés. Oh, à ma connaissance, il n'y a pas de dés. Ou alors, attends. J'ai joué à la version sans les dés, en tout cas. C'était quoi, je sais. Je réfléchis à un truc similaire avec des dés. Là, j'ai pas. Non, tout de suite, non, mais... Enfin, Perudo, du coup. Mais bon, du après, coup, effectivement, c'est du jeu de bluff et tout, donc il peut y avoir quelque chose de très similaire, finalement. Hein. C'est assez commun. Mais j'aimais bien le fait que ce soit des disques, des bocs de bière, c'était rigolo. Tu peux vraiment les lancer en mode chill sur la table. Il y a moyen de faire beaucoup de bluffs, c'est agréable. Mais c'est snowball, quand même. Très bien. C'était donc ton top... 50. Hop. Moi je vais t'afficher, tu vas voir, sous tes yeux, mais moi je sais plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis ça. Twilight Inscription en 50. J'ai mis Twilight Inscription. Je pensais que tu l'avais mis en 20, moi, alors. Non, j'avoue que c'était compliqué de faire mon top 20, vraiment. Je voulais le mettre dans mon top 50, et il est resté 50ème, mais pendant vraiment tout le long, je suis en mode, je ne peux pas le mettre, l'enlever. Et en fait, je peux le retirer des jeux qui étaient genre 30-40ème pour le laisser 50ème. J'ai pas compris quand j'ai fait mon top 1. Mais je voulais le mettre dans mon top 50 parce que je suis une grande fan de papier crayon. Twilight Inscription, c'est quoi? C'est du... Trop gros. Trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros. C'est dommage. C'est un papier crayon très énervé où vous avez chaque joueur à 4 feuilles avec beaucoup d'informations. Il n'y a même pas une seule image. Ah ouais, c'est compliqué de le décrire. Peut-être là, sur la version anglaise. Non, il n'y a pas d'image. Mais c'est du gros papier crayon, vraiment très 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 énervé. Peut-être une petite vidéo vite fait. Plutôt pas que s'ils font... Bah en fait, c'est inspiré du 4X, quoi. C'est inspiré du 4X et c'est inspiré de... Hop,
Tada, regardez. Ouais, déjà, faut la table, hein. On est d'accord. Franchement. Déjà, d'abord, t'investis dans une table et ensuite t'investis dans le jeu, quoi. Mais. Franchement, ça, est-ce que ça ne vous pas arriver ces 4 feuilles qui sont pour un seul joueur? Il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Hein. Non, mais faut pas. Bah, moi, ça m'a fait peur au début. Mais. En fait, ça, c'est clairement un 4X. C'est inspiré de Twilight Imperium où les parties durent 16 heures. Alors, les gens qui disent que Twilight Inscription est trop long, allez jouer à Twilight Imperium, hein. Vraiment, comment je suis de mauvaise foi. Mais en vrai, moi, j'adore les papiers crayons, j'adore me creuser la tête, j'adore dessiner sur les feuilles. Et pendant 2 heures, bah, ça me déplaît pas de le faire. Ça, je suis dans mon élément, dans l'espace. Après, il est très punitif. Hein. Mais voilà, c'est, en fait, le problème, c'est que je pouvais pas le mettre très haut dans mon classement parce que il est, comme le dit GameStop depuis tout à l'heure, très difficile à sortir. Comme le dit aussi Ezelior, je sais pas parler. Très difficile à sortir, à rejouer, etc. Il faut... On y rejouera, Ezelior, t'inquiète. Mais, ouais, c'est le temps, l'espace, le... Donc voilà, et je pouvais pas... Voilà, c'est pour ça que je pouvais pas le mettre plus haut. Parce que il y a tout le temps d'adaptation, d'expliquer les règles, de compréhension, de tout plein de petits détails aussi qu'il faut avoir pris en compte. Ça manque peut-être de je sais pas. Bah mine de rien, la partie elle va vite quand même. Hein. Bah on va dire que c'est quoi? C'est une demi-heure par joueur? Enfin, elle va vite, c'est pas dans le temps que ça passe, mais je veux dire, dans les actions, oui. Si tu perds un tour, bah c'est dramatique, hein, en termes de revenus, de gain de points, etc. Ça fait très très mal. Et il y avait un autre défaut, moi, que je trouvais sur ce jeu-là. C'est autant il y avait une super rejouabilité, c'était monstrueux, mais pas sur tout le matériel. Ouais, 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 ouais. Et genre, autant le nombre de factions était juste hallucinant, le nombre d'artefacts était incroyable et le nombre de cartes pour le vote était ridicule. Mais c'est vrai que c'est ça qui est... Le système de vote pas intéressant en plus. Ça c'est vrai. Le fait qu'il y ait plein de stratégies, plein de mécaniques et les plateaux sont jolis, ça, je suis totalement d'accord. Je suis aussi d'accord avec toi que c'est dommage que... T'as 24 factions. C'est énorme. C'est juste 24 factions, genre. Et en plus de ça, elles sont vraiment différentes. Tu peux en avoir testé peut-être 4 ou 5. Ouais, non, t'as vraiment à des mécaniques fois, intéressantes. Hein. Tu joues autrement, et ça, c'est top. Mais les votes, bah frère. On sent qu'ils ont peut-être ajouté ça au dernier moment. Et ils ont pas eu le temps de pousser le truc pour faire un. Ouais, non, c'est je sais pas. C'est pas attrayant. Voilà. Mais du coup, c'est Je suis d'accord que pour la plupart des gens, un Roll and Write, ça doit être assez court, quelque chose oui. Que tu peux sortir et expliquer facilement. Bon, c'est clairement un parti pris. Hein. De toute façon, quand ils l'ont sorti sur la com, ils ont joué le dessus. Hein. Ils ont dit waouh, vous avez vu, c'est 4 plateaux et ça prend des plombs. Ouais, c'est trop bien. Mais... ça correspond à une frange de joueurs très très précise. Ma tête, il y avait le micro en plein milieu. Non, oh, c'était bien. Bah, d'accord. Non. Il faut pas faire ça, c'est pas bien. Donc, top 50. Ouais, 50e. Tu veux continuer ? Dans le retour de mes micros qui fait ça, c'est... Pardon. Oui, je peux continuer, mais faire... ouais, 2. Vas-y, fais ton top 49. Alors, mon 49e, les gens ne le voient pas. Hop. Prehistories. 49e. Hop. Ah, on a visiblement pas une valise. Le défaut de... Le PNG. Le PNG avec une petite... Prehistories, c'est quoi? Ça va être un... Je sais même pas l'expliquer, le pitch de Prehistories, mais je vais tout faire pour, parce que quand même, c'est... J'adore ce jeu, et on y joue pas assez, et on a l'extension, on n'a toujours pas ouvert, ça me rend triste. Prehistories, c'est quoi? Ça va être... Ah, on a une meilleure image. C'est... ça va être un jeu qui se joue sur la préhistoire, où vous allez être des hommes des cavernes, et vous allez devoir dessiner la plus belle grotte de Lascaux, en gros, hein? Pas du tout, mais... Bah... En fait, c'est basiquement, en termes de gameplay, c'est du placement de tuiles sur un petit plateau. Voilà, et en fait... Et tu dois faire un peu des fraises qui respectaient les objectifs, quoi. L'idée, c'est que chaque joueur a le plateau qui est ici et va devoir essayer de réaliser des objectifs en plaçant les tuiles au centre de la table de la meilleure des façons. Pour récupérer les tuiles, il va falloir être le meilleur chasseur, le plus vigoureux, le plus fort, pour pouvoir chasser plus d'animaux et plus de grosses tuiles. Mais plus vous êtes petit, plus vous allez vite. Et plus vous aurez de choix, parce que c'est vous qui allez choisir avant votre adversaire.
Voilà, et donc du coup, le but, ça va être d'essayer de faire le meilleur classement. Il y a les éditeurs qui posent une question. Les jeux de votre top 50 sont des jeux de votre collection, ou ça peut être des jeux que vous n'avez pas, mais auxquels vous avez joué ailleurs. Et bien, du coup... Je regarde dans le détail. Pour répondre à ta question, on s'est tout autorisé, des jeux de collection et hors collection. Par exemple, bah, déjà, Skull, qui est son top 50, n'est pas dans notre collection. Ouais, ils sont pas tous dans la collection, mais on y a beaucoup. Généralement, j'y ai beaucoup joué. Mais bah moi, il y en a, ils sont pas dans ma collection. J'y ai joué une fois, ils sont dedans. mais c'est pour ça que ça marche d'un coup, c'est parce que Yann, il est passé derrière, il a mis une belle image. C'est pour ça que d'un coup, on se fait backseat. non, ce sera pas Ark Nova, n'est pas dans mon top 50. Et oui, c'est lié. Mais non, Terraforming Mars à la place. mais voilà, du coup, petit préhistoriste que j'aime beaucoup, il est pas assez connu, je trouve. En fait, ouais, le design est très sympa, je suis d'accord. Il est très, c'est très joli, c'est attrayant, en fait. Bah, c'est Camille Chaussy. Déjà. Camille Chaussy, vraiment. La best. Non. Enfin, toi, peut-être. Le principe est sympa. Le placement des tuiles et tout, c'est assez rigolo. Après, ce que les. Comment dire ? Il a un petit défaut, c'est que c'est un peu de la complétion. Alors, il donne un peu cet aspect complétion, et le problème, c'est que c'est imaginé et pensé comme étant une course. Oui. C'est que toi, t'aurais bien envie de remplir toute ta grotte, mais derrière, tu vas avoir toujours un joueur qu'on va appeler le connard, qui va faire deux lignes, deux colonnes, il aura rempli tous les objectifs, il aura balancé ses 8 jetons, terminé, bah bonne nuit. Oui. Et toi, t'es là avec tes tuiles, je fais, mais j'étais en train de faire un pavage. C'est totalement vrai, et moi je suis celle qui fait le pavage et qui le fait. Mais oui, il y a cet aspect où en fait on doit faire 8 missions pour pouvoir enlever ces 8 jetons le plus rapidement possible en gros. Pas 8 missions, mais en gros. C'est 4 ou 5, c'est quand même joueur. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Il est jouable sur Game Park. Il est joli, il est jouable sur Game Park. Il est codé par monsieur. Et voilà. Trop classe. Désolé, c'est beaucoup trop classe. Et en plus, il coûte que 25 euros, alors. C'est vrai qu'il est. Alors peut-être qu'il a augmenté depuis, hein, parce que. Je pense qu'il est. De mémoire, il était à 30. 2020, mais le prix conseillé était de 25 euros en 2020. Mmh. Donc voilà. Moi, j'aime bien ce jeu. Voilà. C'est comme Ice, hein, Isara, c'est. Ice, c'est pareil, il y a une coop, et je pense qu'ils ont bien fait parce que. Sinon, t'as la course où tu peux aller en bas le plus vite possible en ayant des points, et alors que toi, t'as juste envie de creuser ton trou, pépère. comme dans Minecraft, quoi. Hein, mais j'ai pas assez joué ni à Nova ni à Earth pour avoir ce sentiment de jeu, enfin de compétition pas terminée. Parce que, bah. Alors, Ark Nova, j'ai pas compris les règles, je crois. Et Earth, parce que. Je sais plus. Mais les deux, j'ai fait qu'une partie. Mais c'est aussi. Pareil, hein, c'est comme Terraforming Mars. Parfois, t'as envie vraiment de cultiver un peu tes points perso et t'as toujours un connard pour dire c'est une course, je rush les prérequis et j'ai gagné parce que je gagne des points quand même. Ouais, c'est vrai. Quel est ton top 49? C'est vrai, faut que je regarde. Bah oui. C'est Nouvelle Contrée. Oh. C'est un moment qui est sorti, ça fait 2 ans? 3 ans? Plus. Oui, je crois, il y a 2 ans, c'était les goodies. Ouais. Non, ça fait 2 ans. Pardon. Nouvelle Contrée, ouais. C'est un... Alors, il le qualifie d'Olni, là, c'est moche. Mais en gros, c'est un jeu très très particulier où tout le matériel n'est pas dans la boîte puisque vous avez besoin de livres pour jouer. Basiquement, c'est un Dixit-like. Tu vas avoir un auteur qui va décrire une partie, qui va choisir ensuite une des cartes. Qui représente les cartes, c'est un peu sous format marque-page, c'est sous ce format-là. C'est trop beau. Et ensuite, donc, celui qui lit le bouquin lit quelques phrases, il va déterminer ensuite en cachet à quoi ça lui fait penser, comme un Dixit, et les autres, ils doivent se concerter pour retrouver, c'est de la coop. Et de fil en aiguille, t'avances comme ça dans le bouquin. Et alors, le concept est génial. Bon, il faut une bibliothèque, mais il faut des romans et tout. On a voulu jouer avec la Bible, on n'a pas essayé, mais il faudra vraiment qu'on essaye. Faudrait vraiment jouer avec la Bible. À la fin, il y a un petit plot et tout, en mode, si vous avez gagné, vous allez à tel endroit, vous lisez quelques mots et vous avez le vrai sens du bouquin. Et, ça marche plutôt bien. Ça marche trop bien et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de savoir le vrai sens de la Bible, finalement.
J'ai vraiment envie de lui faire une partie avec Abim. Il est vraiment excellent, le défaut, c'est que... bah, en fait, le défaut, c'est le point fort du jeu, c'est que c'est les marque-pages. Et que du coup, bah, c'est pas des grosses cartes, donc moi j'ai mes yeux qui sont un peu flingués. Quand c'est au milieu de la table et tout, bah, c'est loin à lire et à observer. Il y a une foultitude de... On voit pas, c'est un peu flou, mais... il y a une foultitude de détails sur chaque marque-page, en fait. C'est un format vraiment particulier, et je pense que l'illustrateur, il s'est éclaté dessus. Mais c'est un format très particulier, avec plein de petits détails et tout. Et du coup, c'est quand même pas évident de se mettre d'accord. Je suis d'accord que ça a fois le point faible et fort du jeu, en fait. Ouais, et c'est pour ça, je voulais le mettre dans ma liste, parce qu'il était vraiment incroyable. Mais, et puis après, il y a des règles un peu spéciales et tout, qui ne font que ralentir le cours du jeu, je trouve. Oui. Les rôles spéciaux et tout, pour moi, c'est de trop. C'est pas nécessaire. Je vais te laisser annoncer. Ah oui, c'est vrai. Ton top 48. Mais il était à Cannes. À Cannes, ils avaient sorti toute une bibliothèque pour jouer. Ils avaient un setup. Ils avaient hein. Tout un décor, c'était vraiment cool. Le décor autour. Bon, du coup. Ah, ça, il est vraiment différent. Il est vraiment incroyable. Il faut au moins y jouer une fois. C'est ça, en fait. C'est, bah, du coup, c'est comme il a dit. Hein, c'est un only objet ludique. Non, c'est moche, only. Hein, mais, non, j'aime pas. Mais il est vraiment. Il change. Même si en vrai c'est un Dixit-like, mais il y a ce côté livre. En fait, moi j'aime beaucoup tous les jeux innovants. Hein. Après, il faut quand même avoir un. Moi, c'est le bémol que je reproche, c'est avoir un narrateur qui sait lire à un public. Parce que malheureusement, j'ai joué avec quelqu'un qui lit beaucoup, mais qui lit beaucoup pour elle et oui. Pas pour les autres. Et forcément, bah, tu perds le côté partage et il faut avoir un narrateur. Il faut pas. Oh, ouais. Après, ça joue quand même. Oui. C'est pas forcément. Du coup, mon top 48, pardon, 48. C'est Above. Oh. Stylé. Alors, vous allez voir, j'aime beaucoup les jeux où c'est original. Je vais faire beaucoup. J'aime beaucoup les jeux où c'est un peu original parce que on vit dans une industrie qui fait tout le temps la même chose, mais ça marche. Et moi, j'aime bien ce qui est différent. Et je pense que personne connaît. Tu vas marquer une partie, tu fais, on n'y a pas joué. Non, bon, non, on y a joué plus que ça. Oui, mais elles sont pas notées, mais elles sont pas notées, mais on y a joué un peu plus que ça. Ouais. Et je pense qu'on y joue pas assez. Clairement, on y joue pas assez. Bon, après, il a aussi des défauts, hein. Mais pour le plot, peut-être que Yann va passer. Pour le plot, voilà. En gros, c'est des disques superposés. Il y a un peu un relief et tout, c'est rigolo. Et il y a plein de pions tout autour. Un joueur ne contrôle pas un pion, mais les contrôle tous, et il a tout un jeu de cartes, en fait, où il va devoir les bouger un à un, en opposition avec son adversaire, et le but du jeu, ça va être d'être le premier à mettre un bonhomme tout en haut, au sommet de l'Olympe. Et donc, on va respecter certains mouvements latéraux, en avant, on va pouvoir se téléporter sur des portails en gris, on va pouvoir rejouer avec des épis de blé, là, du maïs, là. On pourra foudroyer les gens avec la foudre. Là, on pourra mettre des barrages qui devront être contournés. La foudre va du coup les empêcher de jouer et les faire revenir. Chaque dieu en fait que tu avances, tu peux lui activer un pouvoir. Et alors, c'est très bien parce que c'est monstrueusement casse-tête. Genre, vraiment, au début, tu avances tes pions un peu au pif. Hein. t'avances vraiment tes pions au pif et tu sais pas trop comment ça se voit. Je pense que les gens qui jouent aux échecs adoreraient ce jeu. Parce que tu as moyen de calculer des coups, mais vraiment longtemps à l'avance, de prendre une position. Ça se joue uniquement à 2. C'est uniquement du 1. Ah non, 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 non. C'est du 1, ça se joue à 4. Tu peux faire du 2v2. Tu peux faire du 2v2. On n'a jamais essayé le 2v2, d'ailleurs. Et en fait, du coup, il y a vraiment ce système de cartes, en fait, où quand tu as joué la carte, tu la mets face cachée et tu ne peux plus activer le dieu en question. Tant que tu n'actives pas Hera, je crois. Il y a un dieu qui te permet de... Ou alors que tu aies utilisé toutes tes cartes, ouais. Et que du coup tu les récupères toutes. Et du coup, tant que tu n'as pas activé le dieu, bah, tu peux plus l'activer. Donc le joueur peut un peu se baser sur « Ah, ce dieu-là, il ne peut pas l'activer. » Donc bah, si je joue lui, il y a vraiment cette mécanique de bloquer... Enfin, de dieux qui sont bloqués au bon moment et au mauvais moment. C'est inquiétant parce que tu avances tes pions, qui ne sont pas tes pions. Mais t'as besoin de les avancer pour gagner, mais tu te dis, si je les avance, moi après je peux plus l'avancer, et donc du coup mon adversaire va pouvoir en profiter. Et il y a vraiment une tension folle dans ce jeu, j'aime bien. Et un dieu ne recule jamais sauf avec un portail. C'est ça. Donc c'est ça, la partie finit par se terminer un jour.
Il a un défaut, c'est que ce structure-là, ils ont prévu des petites gommettes double face pour le coller. Ça ne tient pas, c'est de la merde. Hein. Faut, voilà. C'est nul. Mais, donc c'est un défaut, c'est qu'à chaque fois que tu recommences une partie, il faut le remettre. Surtout que nous, enfin pour le coup, à Bob, nous, on met la boîte en face, en facing, comme on dit, parce que je la trouve super jolie et qu'elle a un format de con, hein, qu'on soit bien clair. C'est une boîte carrée. Qui s'est dit je vais faire une boîte carrée. Boîte carrée toute mince. Genre vraiment, ça, c'est vraiment le format de la boîte. Faut se dire que là, ça fait 30 par 30. Ouais, hein, 30 par 30. Donc en fait, à part en facing, on ne peut pas la placer cette boîte parce qu'elle ne rentre pas dans une Billy, parce qu'elle est trop grande pour une Billy. Qu'elle soit à plat ou n'importe comment, elle ne rentre pas. Et même dans une Kallax, ça rentre pas. Et puis, faut se dire, faut se dire ce qui est. Ah ouais, actualisé, attends, je pense. Quand même. Ah! Même. Et il faut se dire ce qui est, c'est que jeu... Oh, ouah, c'est bon. le jeu est extrêmement complexe en fait. Et c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est vraiment difficile à... C'est difficile à maîtriser. C'est comme des échecs. 35 sur 35, on a menti, c'est pas 30 sur 30. Ah bah pardon. Hey, y a la... C'est moi qui ai dit. Mais voilà, c'était Above du coup. J'aime beaucoup ce jeu, il faut qu'on y joue plus. Ouais, je suis d'accord. À toi. À moi avec mon... Merci Yann pour corriger les images. Il est derrière. Backseat là. Ah, on est vraiment sur un backseat de qualité. Mon 48ème sera Subterra. Et oui, j'aime beaucoup ce jeu. L'image est jolie, incroyable. Subterra, c'est quoi? Subterra, c'est un jeu édité par Nuts et c'est un jeu qui se veut dans une ambiance horreur, tout simplement. Très Alien, Nemesis, tout ce genre de films clichés, jeux d'horreur, hein, on va pas se le cacher. Une split de partie. En sueur à chaque clic sur l'image. Et là ça va, t'as vu c'est celle-là, une... tout celle-là, va bien. C'est okay. Et dans Subterra, c'est un jeu coopératif où vous allez avoir tout simplement des créatures horreur qui vont vous pourchasser, qui vont vous courir après pour essayer de vous tuer. Tandis que vous êtes enfermé dans des cavernes et que vous allez devoir essayer de trouver la sortie à l'aide de tuiles. Oh, c'est joli, on y va toujours. Donc voilà, le but c'est ça, il y a les tuiles et vous allez devoir jouer vos personnages pour essayer de trouver la sortie. Là, ils ont réussi à sortir des gens, ils sont forts. Tandis que vous êtes pourchassé par les horreurs. Effectivement, Subterra, il y a Subterra 2, j'y ai joué, oui c'est vrai, j'allais dire j'y ai pas joué, mais c'est faux, on y a joué. N'est pas dans ton top 50, je me demande pourquoi. Mais, franchement, j'ai oublié que j'y ai joué. Je suis traumatisée parce que j'ai joué en convention à Subterra 2. Et que j'avais un enfant d'une dizaine d'années qui hurlait à côté de mon oreille quand il jouait. Dès qu'il faisait un coup, il faisait « Je veux faire ça !» Et j'ai perdu mon audition. J'ai perdu 5 points d'audition, ce qui est beaucoup sur 10. Hein, c'est trop. C'est trop. C'est vrai que j'avais effacé ce moment de ma mémoire. Mais en fait j'aime beaucoup le 2, enfin le premier, j'aime beaucoup Subterra dans le sens où à chaque Halloween, je demande à le sortir. Je regarde copain et je fais, on joue au Subterra parce que on se met dans le noir, on allume une bougie, si on meurt, ben on souffle la bougie. Il y a vraiment cette ambiance qu'on peut créer, c'est incroyable. Il se joue aux UV aussi, hein. Et il se joue aux UV. Mais franchement, il y a ce petit côté satisfaisant de quand on arrive à s'en sortir. Il a des défauts, hein, sinon ouais. Il serait plus haut dans le top, clairement. Déjà, je trouve que la pression des horreurs, elle est pas... Elle pourrait être mieux, en fait. Disons que... Elle est pas mal, mais t'as des trucs qui viennent la contrebalancer trop fort. Il y a un déséquilibrage certain au niveau de certains personnages. Le garde du corps... Pour moi, il est banni. Pour moi, sauf si jamais on est 6 et on veut jouer à 6, bah, il y a 6 persos, je crois. Donc on le met. Et même là, je demanderais à mettre un perso de l'extension plutôt que le garde du corps. Parce que il est juste trop fort. C'est-à-dire, tu joues avec le garde du corps, tu n'as plus de pression. Le garde du corps, t'es avec lui, t'es pas éboulé. Il tue les horreurs. Il passe le poison. Bah ouais, mais du coup... Non, je crois pas qu'il passe le poison. Non, il passe pas le poison. Non, mais c'est surtout qu'il élimine les horreurs, en fait. Il élimine le truc qui est censé te faire peur. Oui, quoi, c'est donc, ça. Il y a plus trop de jeu. Il a 6 PV, enfin, il survit à tout. Et du coup, on perd ce concept de... Il y a l'horreur qui te suit et qui vient... Malaise un peu le mec qui est allé là, quand même, sur le... Ouais. Non, on est d'accord. Ouais, sauf si c'est le plongeur, ça va. Ah, peut-être, ouais. Le plongeur, il revient sur un point d'eau et...
Mais il souffre un peu aussi du syndrome du leader. Ouais. Surtout le 2. Ouais, le 2. Mais après il est bon, ça c'est comment dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sais plus. Vous voulez dire qu'il souffrait d'un truc mais j'ai oublié. Non, je sais plus. Bah les personnages et le syndrome du leader pour moi c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Mais après il est bien. Franchement. Il a un truc avec les UV et tout. C'est beaucoup trop facile. Par contre après, ça c'est pas dans la boîte ça. Hein. Ça c'est version KSO, je pense. Voilà. Non mais voilà mon petit Subterra que j'aime beaucoup. C'est encore à moi du coup, c'est mon top ouais. 47. Ah bah non, attends, c'est à moi du coup. 48. 50, ah non, tu l'as pas noté, le c'était above, tu l'as pas noté ah, le mien. Ah, j'ai pas noté, pardon. N'importe quoi. Les gens ne voient pas la liste. The above. Les gens ne voient pas la liste. The above. Les gens ne voient pas. Tout va bien, je peux écrire n'importe quoi. Hop, 47ème. Trek 12 Amazonie. J'ai déjà dit que j'aimais les papiers crayons. Ça me dit quelque chose. Eh, jolie oh. Boîte, tout va bien Yann. donc du coup, Trek 12 Amazonie, si vous connaissez, Trek 12, pardon, il faut parler bien. Pardon. Trek 12 Amazonie, beaucoup de choses à dire là-dessus, énormément. On n'a toujours pas trouvé tous les mystères de ce jeu, parce qu'il a des mystères. C'est un jeu legacy, c'est un jeu avec des enveloppes, c'est un jeu campagne, c'est un jeu rejouable, c'est un jeu cool, c'est un jeu de papier crayon, de dés. Bah alors justement je suis bloquée sur les défis avec les enveloppes. Bon c'était ton jeu à la base. Bon, on en a fait quand même quelques-uns. C'était ton jeu à la base mais j'ai fait les enveloppes. Oui. Non mais en fait il y a un secret. D'accord. Il y a genre un très 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 gros secret et je suis bloquée, j'arrive pas à le trouver mais genre en gros sur leur site ils disent quand vous avez la réponse tapez la réponse ici et oui. On verra si vous trouvez la solution et je sais pas quoi taper. Voilà, mais du coup pour ceux qui ne connaissent pas dans Trek 12 et donc par extension Trek 12 Amazonie, vous allez lancer les dés et devoir choisir si vous prenez le plus petit chiffre, le plus gros, si vous faites le plus gros moins le plus petit, la somme des deux ou la multiplication des deux. Et vous allez devoir placer vos numéros pour essayer de faire des groupes. Des groupes soit de même chiffre, soit de suite. Et voilà, en gros, l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'optimiser pour faire le plus gros score. Je ne sais pas quoi dire de plus. Bon, il est sympa, il a un design un peu rigolo, c'est agréable. Les cartes animaux, là, sont vraiment intéressantes à jouer autour. Mais justement, c'est ça qui est marrant. À part, tu vois, la grenouille est intéressante, mais papillon, par exemple, on s'en fout, tu vois. Mais après, je pense que c'est un peu fait exprès aussi. Et puis, ces cartes-là, après, vont venir s'interchanger un peu tout au long de la partie, enfin, tout au long de la Legacy. Ouais. Et même les modes de jeu en eux-mêmes, ils changent. Donc, il y a des nouvelles maps, il y a des nouveaux plateaux, vraiment très rejouables. Il va y avoir il est agréable à jouer. Des possibilités en plus. Petit bémol, mais ça, c'est parce que je suis une meuf relou. Les goodies, ils ont pas la même couleur que les autres animaux. Ah oui, les défauts d'impression. Donc du coup, quand tu mélanges, oh bah, le syndrome Seven Wonders, on le connaît. oh bah, dis donc, j'ai les deux goodies, je ne comprends pas. Mais bon, en vrai, tu t'en fiches un peu, Non, sur ce jeu, c'est pas impactant. C'est pas, voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment juste pour chipoter. Pourquoi j'ai mis aussi bas entre guillemets ? Parce que je trouve qu'il y a des papiers crayons. Beaucoup plus... En fait, je le trouve difficile dans la prise en main. Dans le sens où c'est... Le but, ce n'est pas de faire des grandes suites. Oui, ça c'est vrai. C'est pareil, c'est un peu de la complétion, on en parlait juste avant, mais c'est pareil. Et ouais, c'est ça. Et en fait, pour pouvoir optimiser les points des suites, et ben en fait, il faut genre faire des petites suites. Genre 8 et 9, pas plus. Si jamais tu rajoutes un 7, et ben tu perds des points. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression, je trouve qu'optimisation poussée des groupes de valeurs rapporte beaucoup plus que les suites. À chaque fois, je suis tentée de faire des suites, mais c'est trop risqué, peu de bénéf. Bah, en fait, ce qu'il faut vraiment faire... C'est genre, on va faire 6, 7, 9, 10. Il faut faire des 8, 9, 8, 9, 8, ouais, 9, un peu tout du long. Partout. Et en fait, que des suites de 2. Et c'est frustrant parce que c'est génial ce jeu, tu peux y jouer à 10 autour de la table ou à plus que ça, on s'en fiche, tu peux y jouer à 50, c'est pas un problème. Et du coup, tu vas avoir des petits groupes de joueurs qui vont dire « Ah ouais, j'ai fait une suite de 0 à 11, je suis trop fier de moi !» Très bien, ça va te rapporter quoi ? 11 points.
Et à côté, tu vas avoir un toujours le même, appelons-le le connard, qui va faire. J'ai déjà dit ça quelque part. 8-9, qui va, 9, qui 9, va faire 8. Des petites suites de 2 ou des petits groupes de 2 et qui va t'envoyer 100 points dans la tronche. Et c'est frustrant parce que toi, t'auras galéré à faire ta suite là. Et c'est pour ça qu'il y a une. Aussi, il y a quand même un scénario qui permet de. Ouais. Plus sympa là-dedans. Oui. Avec les quêtes peuvent corriger un peu ce défaut. Tout à fait. Même si c'est pas le cœur du jeu, tu vois. Mais je suis d'accord, bah, le temple, pour moi le temple c'est le meilleur, sans spoil, j'aime beaucoup le temple, voilà, c'est dit. Tu en as déjà trop dit. Mon dieu, dans l'Amazonie il y a un temple. Il y a les pistes 2D aussi. Ouais, il y avait la... Ça c'est la piste 2D normale, c'est celle ouais. De Trek 12 Himalaya. Après un jeu et l'outil d'ouvrir les enveloppes. Oui, ça moi je suis d'accord, j'ai aussi tryhard pour faire les objectifs. Et à chaque fois que je faisais un objectif, et ben je perdais la partie, étonnamment. Mais finalement, tu avais gagné le droit d'ouvrir l'enveloppe, mais et voilà, ça... Mais voilà, c'est ça. La règle, c'est celui qui fait l'objectif ouvre l'enveloppe. Donc, j'ai perdu, mais j'ouvre l'enveloppe. Donc voilà, avec la petite boîte scellée qui cache... quelque chose, voilà. Oh, oh là là. On va pas spoiler. Non, no spoil. Ça peut que 25 attends, euros. Si on n'a pas mis risque de spoil, il faudrait cocher la case si un de vous veut le faire. Ou détail. Non, mais si tu cliques, ils vont me dire que. Bah, le fais pas dans le doute. Non, mais normalement, il faudrait afficher risque de spoil. C'était par Lumberjack. Il y avait qui? Trupin? Non, je sais plus. Non, Bruno pas Catala. Du tout, Catala. Oui, comme d'habitude. Et Corentin le bras, presque comme d'habitude. Voilà. Du coup, à toi. Alors que le droit d'ouvrir des enveloppes, j'avoue que c'est mieux que de gagner. Clairement. T'es là en mode tu lis et tout. Alors, du coup, on en est au 47ème. On a bientôt fini. Oui, ouais, on va pouvoir aller manger, super. 47ème, tout à fait. Ninja Academy pour moi en 47. Ah, il faut que je dise. Ah, à chaque fois, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ninja Academy, du coup, il y a Miguel Miello, Antoine Boza, je crois. Antoine Boza, Théo Rivière, Corentin Lebras qu'on a vu récemment, voilà. Ludovic Maublanc, Théo Rivière, ouais. Tout le monde, hein, Jean-Baptiste Renaud. Petit jeu d'ambiance qui normalement est pas trop mon style puisque... Ah, désolé Yann. Petit jeu d'ambiance, il reste petit, vous le voyez bien, même l'image est petite. Et petit jeu d'ambiance qui d'habitude est pas trop mon style parce que ça consiste un peu à se lever, à balancer des bonhommes, à faire un peu des petits duels d'opposition. tu fais un peu des petits, tu balances des bonhommes, tu dois les tenir sur ta main, tu dois faire tomber sur ton adversaire. C'est un peu des petits défis comme ça. Et d'habitude, moi, c'est pas trop mon genre. J'aime pas ça. J'aime pas trop me montrer, crier un peu autour de la table. Mais celui-là, il a une petite feature en plus. C'est ce que je trouve le plus drôle, c'est que. Alors tu as des one for all où tout le monde joue et tu as des duels et c'est un jeu qui se joue de 3 à 5, ceux qui ne participent pas au duel vont miser sur le gagnant pour quand même gagner des points. Et c'est vraiment trop marrant parce que tu sais vraiment autour de la table qu'il y a des joueurs qui sont plus à l'aise dans certains défis que d'autres et donc t'as clairement des paris qui vont être orientés, tu vas avoir des favoris, tu vas avoir des outsiders. Il va y avoir des débats en mode quoi, vous ne faites pas confiance, vous avez honte, vous allez voir, et la pression. C'est ça, et à la fin ça va se terminer, oui on a bien fait de ne pas te faire confiance parce que tu es vraiment médiocre. Et la tuile est top. Il n'a pas l'image. Il y a une extension, je ne savais pas. C'est des goodies. C'est juste un goodies, ouais. Ouais, c'est ça. Des épreuves en plus. Des épreuves en plus. Plus simple. Donc il est sympa. Après, voilà, faut aimer un peu les... Les party games. Faut aimer les party games. Faut pas avoir peur de paumer ses pièces parce que tu es un peu amené à faire trois pas loin de la table pour essayer de les balancer dans une boîte. Mais après, ça se rapproche très des Mario Party dans les. Voilà, c'est l'idée. C'est vraiment rigolo. C'est un des jeux d'ambiance que je préfère, je trouve. Je suis pas très jeu d'ambiance. Ah. Pas de bras, pas de katana. Pas de bras, pas de katana. C'est mis en grand. Pour les voilà. Je suis pas très jeu d'ambiance et celui-là, j'y arrive pas mal. Donc, j'aime bien. Donc, il est dans le top 50. C'est beau. C'est ça. Ton 46ème? Ce sera le dernier pour aujourd'hui. Et après, on va aller manger. Pour celui-là, il est un peu connu de tout le monde. Mm-hmm. C'est Splendor. Splendor.
Le jeu de base, hein, pas le Marvel. On ne le présente plus. Regarde, il est loin le Marvel, genre il arrive après l'extension. Hop. Alors oui, premier défaut, l'image est petite. Et premier défaut, la boîte de base ressemble énormément à l'extension. Et du coup, beaucoup de gens se sont trompés et ont acheté l'extension avant le jeu de base. Mais regarde, ça c'est le jeu de base. Oui. Ok. Ça lui laisse le temps de changer l'image. Je meuble, hein, vas-y, prends mais des gains, oui, du coup, beaucoup de gens ont acheté. Et du coup, ça c'est l'extension. Ah oui, c'est vrai que c'est. Bah, après, c'est écrit... la même boîte, après, hein. C'est écrit sur la boîte, bon, on le voit. Elle est petite, pareil mais, aussi. C'est écrit quand même. Oui, c'est écrit, mais c'est la même boîte sur le côté, tu vois vraiment pas la différence. Non, pas... sur le côté, c'est... est-ce que c'est écrit sur le, petit... sur le côté? Je sais même pas. Hein. De toute façon, je parlais du jeu de base. Oui. Bon, je sais pas trop si j'ai besoin de le présenter, mais. En plus, Splendor, c'est presque honteux d'avoir une petite image, donc on a bien fait de passer dessus. Par Space Cowboys. C'est un jeu avec plusieurs rivières de cartes de plusieurs niveaux, et il va falloir être le premier à arriver à 15 ou 21 points, généralement 15 points quand même. Ouais. En accumulant du coup des jetons de couleurs. Blanc, vert, rouge, bleu, noir, tu as les dorés, c'est un peu des jokers. Et le but, ça va être de se construire un moteur, parce que quand tu vas acheter une carte, du coup, tu vas gagner en fait un jeton permanent en fait. Et en termes de stratégie, il est bien. Ouais. Il marche très très bien. Il est très efficace. Il y a plusieurs. Tu peux mener plusieurs stratégies. Il y a aussi un petit peu de lecture du jeu de l'adversaire, parce que tu vas devoir essayer de savoir un peu ce qu'il fait à l'avance pour essayer de le bloquer en lui prenant les cartes qu'il a envie. Donc voilà, il se joue très très bien. Il est joli aussi, ça va. Il est pas vilain quand ouais. même. Hein. Pour Non, 2014 en plus, c'est vieux, hein. 2014, oui. J'ai vu 2014. Oui, c'est ça, 2014, hein, début 2014. Donc, autant dire, oui, il commence à avoir un certain âge, et pourtant, on y joue toujours. Moi, je trouve il a pas vieilli, en fait. Il fait partie des gros classiques. T'as des vieilles boîtes allemandes, oui. Putain, elles ont pris cher, hein. Oui. Et tu comprends pourquoi on fait des rééditions. Mais ça fait partie, mais... comme Seven Wonders, tu vois, il aurait même pas mérité des rééditions, il l'aurait édité parce qu'il avait envie, mais... Il fait partie des classiques, et même il a pas vieilli. L'extension est toujours bien. Et le défaut, par contre, c'est que à 4 joueurs, le 4e joueur a perdu, voilà. Oh, Yann, il s'est levé juste pour voir le live, et là, il est en train de changer toutes les images. J'espère que tu me détestes pas trop. Si, mais pas trop. Mais voilà, 12 000 personnes en collection, bon, effectivement, c'est un classique, on ne le présente plus. Mais voilà, le défaut, c'est qu'à 4 joueurs, le 4e joueur a perdu, c'est très mal équilibré. Voilà, j'ai fait le tour, quoi. Et le dernier pour aujourd'hui, et du le coup, dernier c'est pour le tien. Aujourd'hui, ce sera Wonky. Ah. Ah. C'est vache parce que j'ai noté 6, alors qu'en vrai, il mérite plus. Hein. C'est vraiment... J'avoue. C'est vraiment vache, j'avoue. Dans mon top 50... Et en plus, l'image est petite. Mais j'avoue, il est dans mon top 50, alors que j'ai noté 6, alors... Mais moi, je suis étonnée de cette note, quoi. Wonky, c'est quoi? C'est 6 000 euros en mieux. Voilà, allez, salut, c'est tout pour moi. Certains vont dire que 6000 euros, c'est comme Wonky, mais en mieux. Bon, oui. En fait, bon. Ça se réglera sur le champ de bataille. On a parlé de 6000 euros tout à l'heure, mais grosso modo, c'est la déduction d'image. Il y a un joueur qui choisit une image, et grâce à d'autres images, il doit faire deviner une image. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot image. Image, c'est vrai qu'il y a... Image, il n'y a pas, là, justement. Non, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Mais, comment dire. C'est dommage, parce que... Mais du coup, Wonky, ça va être un jeu... Pourquoi je le préfère à 6000 euros? Eh bien, tout simplement parce que les... J'en ai marre de dire le mot image. Ah oui, non mais oui. Évidemment mais ce que j'aime bien dans Wonky, c'est l'idée que les cartes soient de formes différentes. Ils sont tous foutus de ta gueule et je comprends. Hein. Et en fait, du coup, ouais, les images qui servent d'inspiration sont des images avec des formes. Et ça, j'adore l'idée. Je sais pas, ouais. C'est juste pas des cartes toutes simples, etc. C'est un jeu de Libellude. Donc, Libellude, on connaît, ils font des superbes illustrations. Et le bémol de Wonky, là où les gens préfèrent 6000 euros à Wonky, c'est qu'il y a beaucoup trop de matériel pour pas grand-chose. Pas grand chose, c'est-à-dire c'est un paravent, c'est les bouts de clés là qu'on voit qui apparaissent. Bah en fait,
C'est pour dire, bah, cette carte-là, elle est rouge, elle est pas bien, cette carte-là, elle est jaune, elle est moyennement bien, et cette carte-là, elle est verte, elle ressemble beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de dire, bah, plus matériel alors que... Non. Voilà. 6000 euros, eux, ils ont décidé de faire bah, pencher ou coucher selon si ça ressemble oui non, point barre, il n'y a même pas d'intermédiaire. C'est peut-être plus accessible pour ça. Mais d'un autre côté, bah... Ouais, je trouve plus créatif celui-là. C'est ça. Et surtout, OMT est sorti bien avant 6000 euros. Donc, peut-être que Gigamic s'est dit, ah, il y a peut-être un filon à jouer en s'inspirant de OMT et en faisant avec juste des cartes tout simples parce que, bah, l'avantage de 6000 euros, c'est que le jeu s'emmène partout, même à la plage. OMT, tu ne peux pas, c'est une grosse boîte. La boîte, c'est une boîte carrée qui ne peut pas t'emmener n'importe où. Là où, bah, 6000 euros, c'est un format de 52 cartes classiques, tu l'emmènes, tu t'en vas en vacances avec et il gagne sur ce point-là, c'est sûr. Ouais. Mais là, t'as quand même des momies dans des boîtes d'allumettes. Ouais, et enfin... t'as un grippin magicien. T'as un grippin, t'as Gandalf qui combat et qui ne laissera pas passer le. On est d'accord. Là, où, de pain, là où, effectivement, 6000 euros, et bah, on va être sur bah, c'est les animaux, c'est Harry Potter, c'est. C'est du classique, quoi. Ce sont des, on va dire, des licences, des choses, des thèmes très simples, un peu. Quand même, il bosse, il faut. Ah oui, pardon. Il travaille, faut le mettre, faut créditer son boulot, quand même. Là, j'ai demandé. Dis content. Mais voilà, j'adore Wanky. Je suis rude avec mon 6, je vais peut-être mettre quand même 7 c'était, ou 8. C'était à l'époque où Libellude faisait des jeux créatifs. Ah. J'ai mis une image de contenu aussi. Oh, regarde, il l'a mis. Vraiment, wow. Là c'est vraiment bossé là. C'est... mais c'est vrai. Voilà, le paravent, bon bah c'est un peu trop et ça fait que. Ouais, je suis d'accord en termes de matériel. La boîte du coup est immense à cause de. La boîte est immense à cause de tout le matériel. Hein. Et peut-être en coût d'édition, du coup les cartes avec les formes particulières et tout, ça a coûté plus cher. Ouais, mais moi je suis déçue parce que j'adore Wanky et en plus de ça, Libellule l'a un peu glissé sous le tapis en mode le jeu n'existe pas. Le jeu n'a jamais. Enfin, ils ont fait des goodies, mais 3 goodies. Bon, bah. Ouais. Ça fait peu et. Ouais. Voilà. Mais je trouve qu'il avait cette place dans le top 50. Et top 46 du coup. Et voici du coup notre top 46 de fait, de réalisé. Je ferai un petit point sur Insta pour bah, pour les jeux. On fera ça tous les dimanches, et a priori, dimanches, sauf cas spécial où on live ouais, pas, mais... Exactement. Et du coup, on en a pour un moment. On a pour 10 semaines au minimum. Donc voilà. Je viens de voir que j'ai mis 2 fois Ninja Academy dans ma liste. Ah. Je dois corriger ça. C'est dommage. Je me disais qu'il y avait un problème quand je l'ai faite, j'ai dû supprimer un truc, c'était pas normal. Moi je suis prise pendant 10 semaines de oh. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos listes aussi, hein. On pourra peut-être en parler à l'occasion ou ouais, quoi. Ouais, je suis chaud, moi j'aime faire bien. Faire un tour vite fait. Si jamais vous avez des, genre, votre top 10 et tout, on se dit, ah, on a des trucs en commun. Ou pas. Mais voilà, Et puis voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que je suis très contente d'avoir fait ce petit live. C'était sympa, vous étiez présents, ça a été un petit peu interactif, c'était cool. Ouais, ça fait plaisir, j'espère que bah voilà, tous les dimanches matin. Ouais, on va faire ça progressivement, on va avancer et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, même heure. Bon appétit vu l'heure, hein, parce que. C'est vrai que Iron Zen Legacy, il est probablement quelque part dans mon top 10. Tiens. Non, c'est pas vrai. Mais oui. Bon, je spoil personne en disant qu'il est au moins dans mon top 10. Hein, Le jour où on fait un top des éditeurs, Batago il sera peut-être pas. En vrai, moi franchement. Si, il y sera quand même, si, évidemment. Parce que... Obligé. Oui. Pour les licences. Mais par contre, il va prendre tarif, hein, je vous préviens. Mais du coup, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 9h, tout pareil. Et puis, bon appétit, vu l'heure, hein, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, et amusez-vous bien. Ciao, ciao.